Voilà, Paikou Sare, Gal Paingal Labangal, Nantungalin de Paingangal Nandae de Apaile, Langhuro Ong, Landosirong e Jam, Nokukalka Wontong e Kajodordong, Onong e Wonti Bemong, e Jatigi Bemong, e Musi Bemong, e Beyadotong e Nekukalka Wontirong e Sai Legendin. Landirdonong, Mamadi Dumbuya e bandi be makko ben ko tawata hande humpitudo hanki be kinapuno kanko mera Sellou Balde ay ko Bala Samoura e kanko Ousmane Gawal woni ko kolabori e lay kongol Mamadi Dumbuya don andi tangal fa konde arimbe ben no jibi kombo woni kinapude hombo kono labani ondo joni ko kanko Mamadi Dumbuya wonno kinapude jamaon jonnon hakkena ko huli ko ngofala ka manifestation jidi lato katawata ofenanino jamaon ofenanino imbebe ha katawata bien entendu a tawata joni wata marsir den ofalirano joni ko yo kinapu imbebe o hulbinabe o destabilizabe ofenanabe Hala yon do ngandi le 20 ko andi tingol jama on foptao manifestation jano la toto ender capital kona kringal ato enge tu de kanko Madik San Frontier no andir don non wodi piji bui yaltu di kasare meden katawata ande imbe bui nanti kongudi katawata bui nani famali do ngandi no senati aibe go fale ti argol signala le video jime Ara ko ensendu ti di paskene ko gonga subi den terti den fenande. Hande kadi ça va bien taper, ça va bien taper, je dis bien, ça va bien taper. Parce que là bana on do hande. Est-ce que Madik ko espion, sinao espion. Ayalla wadi na on bobojo. El lando to modo kongu di bui. Hande kadi bui nantai anda hi ko hondu woni gonga, ko hondu woni fenande. Sabuna no wodi imbe bui si benani do pom. Les médailles ont été faites pour les gens. Awa, quand on a dit sans frontières, on a dit qu'on a attaqué le combo. Là, on a dit qu'on a un peu de andi et qu'on a dit 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 qu'on a sanction qu'on a dit 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 qu'on Don andi no wodi rewbe harawa nabe materialist kon wadi mi atakuno bengu Ibrahima Diallo ka FNDC fi hondu debbo si modi ma sokama e resin fi hondum golli data e ondo hande Ibrahima Diallo no ka kaso maison centrale tawata kanko bengu makko no gollude ka CNT hare lan toro rewbe aduna labbe foptaw weltana golo grande dame jo Madame Yassane Fatoumata, elle n'est pas n'importe qui. C'est une personne. Ha, ici, il y a des sommes, mon gars. Do, do son no do, alay no do son ala. Dungo ya edin pagi. Katawata son ala, oko original. Minga et tablette diandi no marison. Ici là, c'est pas pour les pauvres. Hein? Mais live là, c'est pas pour les petits. Si tu n'as pas un bon téléphone là, tu peux aller à côté. Donc, a dit, mi force a goto. You are ready to Madik de. Ko ben noddu be lantay be no jibi ko gonga ko fenande ko kambe arata yito do Madik San Frontier sans problème ils vont écouter pour qu'ils comprennent na imbe hene be ala sans tawata anda ko fiondi je demande les femmes guinéennes s'il vous plaît les femmes guinéennes de mettre le cœur pour cette dame o de bodo o taw yawre den o jettata wa sere ne di ko Allah me e Ousmane Gawal ko ngoy kanko jettata kanko holli dignité makon hino burani mo mbudi e poste O windi letter de démission makon o nadi o jonni tibe o yi min o yawta ko lam parce que mi wa serene di monde ngon adata yam min pay ku sare dubi dubi wana birdi birdi donc c'est pour vous dire il y aura pas de manipulation ici donc je demande les femmes du monde de mettre cœur pour celle-là s'il vous plaît madame Yansane big up à vous t'es une maman qui mérite d'être la maman nationale c'est des femmes comme ça qui manquent au Guinée Ils ne vont pas quitter là-bas. Parce qu'ils ne sont pas dignes, ils ne sont pas patriotes, ils ne sont pas dignes.
Odo wata démissionou de. Mama di dumbu ya winda dekere ya iti mwa yon abi letter de démission. Hein? Odo odo e wadu gol birdi birdi. Donc, odo debo en bigo pimo. Alla wadu barke mako. Alla firta mu arkisi ya akata. Hey! Madame koming alama kosati konolati. Donc, c'est pour vous dire, ici là, Madik Sans Frontières est parmi nous, des gens vont les prendre avant que les gardes de Kosel Loubal de Kinapakon. Djama on non nanira hakil, domi landaki, kowa di paske o landaki ko commentaire. Hedo don donon, hondung woni hondung, hande kadi sa va péter ce soir, je vous dis, ça va péter ici. Ça ne demande pas. Moi, j'aime les femmes comme ça. Awa Ousmane Gawali Amara Kamara, ko be complice ko no be burata mi ala na tundo Ousmane Gawal ko bewi o ko bewi yo andu tu nyande go kasori fofa na bewno de bewre o tay ba yata baki a bewata bura banta maso a bewata Ousmane Gawal da kirda mi siko dum olor da itu gol yimbe ara yata nan naki da re sel lubal de ande ka depezi ko no e bewi wulay si wela le di lagine ni joni ko kinapu gol tu hoccu gol tu na basoka donc Oyi, kodo atano de bodo atano itede hinomo. Ka justice pidi di fe ila bi poi. Donc do ka di ande kodo. Kono dun do ka di fe ya joni, jama nandi ko fe ondi kon. Donc avant d'aller loin si be liberimo, ara be golli si be liberalimo ko haju mabbe. On va prendre ma de bonnes questions. Monsieur Madik, allô. Allô, Poiku. Voilà, tu peux bien te positionner parce que ce soir-là, hein, tu vas savoir, hein, ce soir-là, c'est pas comme d'habitude. Là, là, c'est à terre contre à terre, là. Là, les grands, là, d'abord, on met ça à côté. Les Guinéens vont bien t'écouter. Parce que les questions, la grande. Hein, ouais. La grande t'attend, hein, parce que là, je vois sa triple. Eh, monsieur Madik Sans Frontières, bienvenue. Et c'est Poiku, ça, c'est ton petit frère, ton ami. Et ouais. Toujours, parce que les gens ne connaissent pas notre lien. On dit, écoute pas les yoli yoli. Là, c'est de la vérité qui va sortir. D'ailleurs, j'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va. Bien. Ça va très bien. Merci, Poiku. Ou bien tu es à Conakry? Non, je suis au Canada présentement. Depuis quand? Ça fait trois jours. Je suis venu rendre visite à la famille. Oui. Elle m'a dit que direct de Canada ce soir. Voilà. On attend d'abord les 1000 partages parce que si c'est un devoir. M Sans Frontières, j'aimerais d'abord savoir comment était votre séjour à la Maison Centrale. Oui, regarde, c'était une belle expérience où on a appris beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, Paikoum. C'était vraiment une très belle expérience. Je remercie le bon Dieu. On est sorti vivant. Bien, monsieur Madik Sans Frontières, aujourd'hui, beaucoup de personnes vous attaquent soi-disant. Vous avez dit dans votre vidéo, c'est Loudel et doit aller en prison. Mais là, avant de répondre d'abord à cette question, je demande les 1000 partages parce que là, les Guinéens doivent t'écouter. De quoi tu parles et de quels parents tu parles dans ton vidéo? Parce que moi, je peux dire qui n'a pas prononcé le nom de ce Loudalé. Mais là, là, ce soir-là, les gens doivent savoir de quoi tu parles, de quels parents parles-tu dans ton vidéo. Est-ce que toi, Madik Sans Frontières, tu as dit dans ton vidéo live, ce Loudalé doit aller à la Maison Centrale. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on dit. Maintenant, avant qu'on vienne le point d'espion, là, tu connais ce qu'on appelle espion? Ouais. Espion, c'est plus fort que Birdi Birdi. Espion, ouais. Rentrer, sortir là-bas, tu connais Fatala, les rentrées de Pitala, tu connais ça. Donc, chers compatriotes guinéens, je veux que les Guinéens viennent écouter là. On attend. Voilà, il y a des Guinéens qui sont là, sont nombreux. On attend les 1000 patas. Bien, ce soir, je vois que beaucoup de personnes commencent de poser des questions. Et là, ici, là, c'est moi seul qui pose des questions, hein. Pas tout le monde. J'ai dit aujourd'hui, beaucoup d'espions aussi vont venir nous capter. Beaucoup d'espions, mais laisse-les venir d'abord. Ils vont t'écouter. Voilà, avant de venir sur ça, tu as quelle relation avec Loudalé actuellement? Merci, Paikou. Merci pour l'invitation. Comme je t'ai dit, parmi tant d'invitations, je réponds toujours à ton invitation.
Pekou, j'ai une très bonne relation avec mon père Ela Guissé Doudalène Diallo, une très bonne relation. Même pas très longtemps, on s'est vu, on se parle, on a une très très bonne relation. Et même dernièrement, il m'a dit un mot qui m'a encore beaucoup touché, qui m'a beaucoup frappé. Donc, on a une très bonne relation. Toi et Cellou Dalin, vous avez une bonne relation. Une très bonne relation. Une bonne relation. Donc, si je comprends bien, Cellou Dalin, c'est ton papa, c'est politique. Pardon? Cellou Dalin, c'est votre papa hors de la politique d'abord. Oui, affirmatif. C'est Ludalin, ce n'est pas juste un papa, c'est une grande personnalité en qui j'ai du respect et j'ai de l'estime. Et ça m'a fait plaisir de faire sa connaissance, de faire des moments difficiles auprès de ce grand homme. Il est père, mais c'est un exemple aussi de personnes à suivre. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions. Tu as de l'IFDZ ou pas? Aujourd'hui, j'ai créé un parti politique. Est-ce que tu comprends? Donc, j'ai adressé une lettre au président et père Ela Guissé Doudalène Diallo. Il m'a répondu la lettre. Je ne peux pas dire ce qu'il m'a dit dans la lettre, mais toi, en privé, je peux te montrer ce qu'il a dit. Donc, j'ai décidé de créer un parti politique Paikoum. Le parti a été créé depuis la Suisse. Dieu merci, depuis que j'ai été auprès de M. Dalin, depuis que j'ai adhéré à ce parti, j'ai rien fait sans que je lui mette au courant M. Paikou. De quelles raisons t'as poussé à créer un parti politique? Pour quelles raisons? Des raisons. Les raisons sont simples, Paikou. Tu sais, dans la vie, tout commence par un rêve. C'est comme je t'ai dit pourquoi tu as créé une page. C'est une façon aussi pour moi, je trouve que je peux faire d'autres combats dedans, dans la politique. Et ce n'est pas juste être politicien en Guinée ou bien faire de la politique politicienne. Il y a une autre raison où je ne peux pas mettre les charrues devant les bœufs. La grande surprise va venir au moment opportun. Mais il y a une très bonne raison qui a fait que j'ai créé le parti politique. Donc, vous êtes reconnu en Guinée comme un chef de parti politique. Tu sais, ça dépend de tous les Guinéens. Toi, tu peux me reconnaître comme un politicien, l'autre peut me reconnaître comme un influenceur, d'autres blogueurs, chacun, ça dépend de tout un chacun. Mais il y a un moment viendra, pas un coup, les gens sauront beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends? Je me prépare, tu sais, je suis patient. Mais quand le moment viendra pour frapper, je sors, je frappe. Est-ce que tu comprends? Le moment opportun, Madik va sortir, Inch'Allah. BAM sans frontières en direct ce soir. Beaucoup de questions à préparez-vous. OK. Est-ce que vous avez quelle relation actuellement avec le gouvernement de la transition? Précisément, Mamadi Doumbouya, vous avez quelle relation? Merci pour cette question. Le président Mamadi Doumbouya, on a une bonne relation. J'ai demandé, quand je suis arrivé en Guinée, j'ai demandé de rencontrer le président de la Guinée, de la transition, parce que j'avais beaucoup de questions pour le président et je ne connaissais pas le président. Je pense que c'était la meilleure façon pour moi d'aller m'asseoir tête à tête avec le président pour connaître le président, lui poser beaucoup de questions. Et je fais ça avec beaucoup de grandes personnalités aujourd'hui en Guinée. Ouais. D'accord. OK. Madik sans frontières, est-ce que tu as dit dans ton vidéo que Cellou Dalin doit aller à la maison centrale? Maintenant, Pardon? on dit, beaucoup de personnes ont dit, tu es venu dire dans ton live Cellou Dalin doit aller en prison parce que beaucoup de personnes ont parti en prison, plusieurs cadres, plusieurs responsables. Pourquoi pas eux? Tu parles de qui exactement? Merci. Et puis, c'est ça, on me dit, les gens me disent que ça ne va pas sur les réseaux sociaux, que beaucoup de personnes m'attaquent. Mais c'est après, je suis allé voir qu'est-ce qui se passe, quoi, de quelle vidéo les gens parlent. Tu sais, Paikou, tu sais, Madik, si Madik veut attaquer quelqu'un, il dit directement son nom, il l'attaque. Tu connais ça de moi. Est-ce que tu comprends?
Après, j'ai vu c'est quelle vidéo. Je fais la vidéo là en Suisse. Pas coup. Je fais la vidéo là ensuite, en Suisse. Ça, c'était le jour où on a rejeté le procès du capitaine Dadis Camara. On a un groupe de communication. Là, en quittant à la banque en Suisse, il y a un élément qui m'appelle. Est-ce que tu comprends? Ah, il dit, il y a un groupe de jeunes forestiers qui veulent se soulever parce que l'appel de le procès de Dadis, on a mis ça comme ultérieurement. Est-ce que tu comprends? Après, il dit que les hommes disent que M. Dadis est une grande personnalité, qu'il ne devrait pas aller en prison. Moi, je dis mon opinion à la personne. Je dis, cette opinion, je vais te dire, et puis je vais dire publiquement. Il ne faut pas aujourd'hui, après 11 ans d'attente de massacre du 28 septembre, on fait face aujourd'hui au procès et on commence à créer la différence entre les êtres humains. Je dis, si tel était le cas, il y a beaucoup de grandes personnalités à la maison centrale. Il y a beaucoup de grandes personnalités à la maison centrale. Depuis la Guinée et la Guinée, il y a des grandes personnalités à la maison centrale. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à dire que Dadis est une grande personnalité ou il ne l'est pas. Dadis est une grande personnalité en Guinée. Toumba est une grande personnalité en Guinée. Ça, c'est ma perception. Toutes les personnes concernées au massacre du 28 septembre, la majorité, c'est des grandes personnalités. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est dans ce cas-là que je fais cette vidéo. Il ne faut pas qu'à chaque fois que la vérité touche quelqu'un, les gens s'élèvent, dire que vu que ça a touché une autre personne, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de justice. Est-ce que tu comprends? Donc, cette vidéo-là, ces jours-là, je l'ai fait dans ce cadre-là du 28 septembre. Il faut que les Guinéens arrêtent de dire qu'il y a une grande personnalité dans ma famille, tandis que dans notre famille aussi, ceux qui sont, personne ne paie. On a attaqué les Kassori ici, devant tout le monde. On l'assume. Mais personne ne peut dire que les Kassori ne sont pas des grandes personnalités en Guinée. C'est des grandes personnalités. Et une grande personnalité du pays, c'est quelqu'un qui a servi du pays. Est-ce que tu comprends? Et je vais aller au-delà de ça. Même si pas M. Senouda Lenghialo, OK? Quelqu'un que je ne connais pas, moi, je ne lui souhaiterais pas la prison. Quelqu'un que moi, je ne connais pas, je ne lui souhaiterais pas la prison. Ça, c'est un de deux. Pas écoute, M. Dalin. Monsieur Dallet, quelle raison, quelle motivation, quel bénéfice Madik va avoir si Monsieur Dallet va à la maison centrale? Et quoi? Ça va changer quoi dans ma vie? Ça va m'apporter quoi dans la vie? Tu sais, quand les gens veulent te détruire, même si tu dis Dieu est bon, ils vont dire que tu dis Satan est bon. Est-ce que tu comprends? Je vais te dire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Madik et M. Dalé. Madik et M. Dalé. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à aller demander M. Dalé pourquoi il a aimé Madik. Toi, Paikou, un jour, on est parti saluer M. Dalé à Dakar. Tu m'as dit un mot ce jour-là, je vais te rappeler. Si c'est faux, il faut dire c'est faux. Tu me dis, Madik, aujourd'hui, je vois que le président Dalé t'aime. Tu m'as dit ça, Paikou. Toi, tu m'as dit ça. Je dis, Paikou, seul Dieu sait pourquoi cet homme-là m'a aimé. Donc, pas écoute, il faut dire à mes détracteurs, ils ne pourront pas me déstabiliser. C'est eux qui vont avoir honte. C'est eux qui vont mentir. Pas écoute, il n'y a pas un homme qui peut empêcher Madik de parler. Si je vais attaquer quelqu'un, Madik est la première personne qui peut dire le nom de la personne et puis l'attaquer. Tu sais ça de moi. Sans tourner autour du pot. Mais M. Dalin, pas la prison. Jamais je vais lui souhaiter du mal, ni à lui, ni à sa famille. Jamais je vais, mais peu importe ce que les gens vont me dire, jamais moi je vais m'attaquer à M. Dalin. Et il reste une grande personnalité pour Madik. Et pas écoute, je te dis, hein, on a une très bonne relation. On se parle très bien. À chaque voyage, l'occasion se présente, on se voit, on échange. La preuve en est que l'avant-dernière fois que je l'ai rencontré, tu étais là-bas. D'accord. Bien, on dit Madik Sans Frontières était venu dans le désert parce qu'il était espion. De qui exactement, je veux savoir. Tu étais venu dans le désert parce que tu étais espion ou pas? Tu sais, quand tu dis l'UFDG, il ne faut pas insulter tout le monde. Je vais te dire une chose aujourd'hui, c'est très important. UFDG, c'est le regroupement, c'est un parti politique où il y a des bonnes et mauvaises personnes.
Est-ce que tu comprends? Depuis que tu es Pakou, est-ce que tu as vu un responsable, je dis bien un responsable de l'UFDG s'adresser à Madik? Non. Un responsable. Maintenant, les militants de base, écoute-moi bien, les militants de base, les chercheurs de place, ceux qui monétisent leur page, ceux qui ont échoué, ceux qui ont perdu, ceux qui ont insulté Seloudalé en 2020, ceux qui ont maltraité Seloudalé en 2020, ceux qui l'ont traité de tout en 2020, pendant qu'on était là, si une personne ne peut pas te faire tomber dans la vérité, il va chercher le mensonge pour te faire tomber. Ils ne pourront pas. Parce que Fop comme Houdado, est-ce que tu comprends? Toutes ces anses-là, c'est des Houdado. Est-ce que tu comprends? Akuneyala. Okay. Donc, je ne peux pas les écouter. Je ne peux pas les écouter. Est-ce que tu me comprends? Et ce qu'ils veulent, je vais te dire, ce qu'ils veulent, pour que moi, je m'attaque, non seulement à l'UFDG. Madik ne peut pas t'attaquer à l'UFDG. Non, 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 non. Madik, les mauvaises personnes qui se servent de l'UFDG, les mauvaises personnes qui se servent de la communauté Peul, Madik s'adresse à ces personnes-là. Madik est très cadré, très clair dans ses propos. Mais tu penses que les Houdado là, les vieux périmés sur Facebook là, les vieux périmés en Occident... Les vieux périmés qui disent que je savais Madik était un espion dans un groupe des symboliques révolutionnaires, précisément je parle de ton ancien ami de Bilsen, il a dit il est contre toi, il va te poursuivre. Dans un témoin, il dit Fatou Nyeloi t'a donné de l'argent à la prison. Je veux savoir la raison, pourquoi et comment Fatou Nyeloi t'a financé en prison. Pour quelle raison? Fatou Nyeloi a dit dans son vidéo, elle est en prison, elle t'a envoyé de l'argent, même temps de nourriture. Bon, je veux savoir pour quelle cause. Elle a dit aussi, elle savait que tu es un traître. Qu'est-ce qui est patient pour toi, Fatou Nyeloi, exactement? Je n'ai pas bien compris. Tu veux que je parle aussi d'elle? Des fois, je n'aime pas parler des filles. Quoi. C'est ce qu'elle a dit, parce qu'elle a dit, tu es un traître. Tu es venu dans l'IFDZ pour détruire. Donc, le moment que tu étais en prison, elle t'a donné de l'argent, mais tu dois préciser ce qu'elle t'a donné. Si elle t'a donné, tu dis oui, elle m'a donné. Et de quel motif? Parce qu'elle a dit, tu es un traître, elle va te combattre, donc tu veux détruire l'IFDZ, tu es l'espion de Mamadi Doumbouya. Donc, on veut savoir la raison. Je voulais même pas, tu sais, prononcer le nom de Fatou, des raisons, quoi. Est-ce que tu comprends? Quand je vois aujourd'hui Fatou parler de l'UFDG ou bien de ses lusées, quoi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je trouve que c'est pas elle, les gens qui l'écoutent, parce que moi, la personne qui traite ses loups de pédophile, de violeur, je m'excuse du terme, hein, traiter sa famille de tout devant tout le monde, les vidéos sont là. Si aujourd'hui elle aussi se déguise en défendant ce loup, je ris. Est-ce que tu comprends? Fatou, tu sais, la prison, c'est une place où même un rat peut gifler un chat. Je ne sais pas si tu as compris ça, quoi. Quand tu es en prison, il y a 3 semaines, j'étais à la maison centrale avec Foniké. Même un petit peut dire à Diané, l'ancien ministre de la Défense, dit, va te coucher. Est-ce que tu comprends? Tu sais, Fatou, il faut dire aujourd'hui au Guinéen, Fatou me fait pitié. Paikou. Fatou m'a écrit, la dernière fois qu'elle m'a écrit, je l'ai dit, il ne faut pas m'écrire, je ne veux rien savoir de toi. Écoute-moi, je vais dire, elle a crié, moi je ne l'écoute pas. Parce qu'elle a une peine d'amour, quoi. Est-ce que tu comprends? Elle a quand quoi? Quand je t'ai... Elle a quoi? Non, c'est une peine d'amour. Écoute-moi. Quand j'étais à la DPJ, un officier vient me voir, il dit, j'ai de la visite. Je dis, c'est qui? Ah, il dit, viens dans mon bureau. Je vais te donner le numéro de l'officier, tu l'appelles. Tout ce que je dis, il faut prendre note. Je suis parti, à la grande surprise, Fatou était là. C'était Fatou. À l'époque, Alpha Condé était au pouvoir et ils avaient accès. Je reçus Fatou, on a parlé. Est-ce que tu comprends? On a échangé. Après avoir échangé, elle me dit que tu n'es pas une mauvaise personne. Là, je donnais l'autorisation, elle pouvait venir me rendre visite.
toutes les personnes qui viennent dans les visites en prison, ils t'envoient la bouffe, d'autres t'envoient de l'argent. Est-ce que tu comprends? Maintenant, en novembre, avant qu'on m'amène à la maison centrale, j'ai fêté ma fête à la prison. Maintenant, à l'époque, avant mon mariage, quoi, il y avait une fille, je ne vais pas dire son nom, qui m'a envoyé des cadeaux. Est-ce que tu comprends? Ah, elle dit, ça c'est ton mariage. Ça c'est non, ça c'est ton anniversaire. Elle m'envoie des cadeaux, des habits et puis gâteaux à la DPJ. Maintenant, après Fatou est arrivé, Fatou a amené de l'argent pour me donner. Il y a un policier qui dit à Fatou, écoute-moi très bien, le policier il est en vie. Je vais te donner son numéro, tu l'appelles. Et là, il dit, Fatou, non. Il y a une femme qui est venue, il a donné beaucoup de cadeaux à Madi. Toi, c'est le petit cadeau là, la petite somme là, tu veux donner à Madi. Écoute-moi très bien. Fatou s'est fâché. Écoute-moi. Non, tu sais pas. Madi, écoute-moi. Tu sais, Fatou, elle partait tout le temps à la DPJ me rendre visite. Elle a fait des courses. Un jour même, il a appelé le président dans ma cellule à la DPJ. Est-ce que tu comprends? Alpha Condé. Et la dernière fois, Ousmane Gawal était présent. Est-ce que tu comprends tout ce que je dis? Et il a déjà appelé Corboya. Il faut appeler Corboya, tu lui demandes pour venir auprès de moi. Est-ce que tu comprends? Mais pas écoute. C'est après tout ça là, j'ai vu que Fatou, je me suis demandé pourquoi elle vient tout le temps, pourquoi elle prend autant son temps de venir passer toute la journée auprès de moi à la DPJ. Mais finalement, j'ai vu que la seule raison, elle voulait de moi, elle était tombée en amour. Est-ce que tu comprends? Non, écoute-moi pas, écoute. Non, c'est ça la vérité, quoi. Est-ce que tu comprends? Parce que je ne voyais pas de lien. Chaque fois elle venait, elle distribuait l'argent aux policiers, prenait soin de Madik, c'est une bonne personne et tout. Est-ce que tu comprends? Les petites sommes que Fatou disait, oui, elle amenait, elle donnait les petites sommes, c'est vrai. Mais un jour, il y a un policier dit, il dit non, Fatou, non, les autres ne peuvent pas venir donner les petites sommes aux prisonniers, toi tu viens, tu donnes une petite somme. Elle est partie, elle est venue ce jour-là avec 10 millions. Est-ce que tu comprends? Écoute-moi. Écoute-moi. Le petit dit, moi, c'est un petit policier, hein, tu vas échanger avec lui. Moi, je dis, le petit dit à Fatou, il dit, Fatou, aujourd'hui, là, on a vu beaucoup de cadeaux. D'autres ont amené iPhone, d'autres ont amené ci, d'autres ont amené ça. Si tu ne peux pas faire mieux, nous-mêmes, on n'a plus confiance en toi. Donc, plus le policier parlait à Fatou, plus elle essayait de faire les dépenses, de faire des gestes. Est-ce que tu comprends? Mais je l'ai fait savoir que elle et moi, on n'est pas compatibles. Est-ce que tu comprends? Les mêmes arts, quoi. On n'est pas compatibles. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça la vérité. En ce moment, après la prison, je devrais préparer mon mariage, je devrais me marier. Il y avait ça sur le plan. Est-ce que tu comprends? Tout simplement, il n'y avait pas de place pour elle. Et elle m'a même dit qu'elle voulait venir au Canada me rendre visite, Fatou. Et c'est là où elle m'a dit qu'il avait un frère au Canada, Billah Talay, sur le Saint-Coran. Est-ce que tu comprends? Donc, avec Fatou, il n'y aura pas de classe entre elle et moi. Si elle est tombée en amour, ce n'est pas la bonne personne. Est-ce que tu comprends? Peut-être aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent d'elle. Peut-être elle est la plus belle. Peut-être, mais avec Madik, ça ne marche pas. Et j'ai été honnête avec elle. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et je vais te dire, le pire, un jour, elle voulait Fatou. C'est des mots, des fois, tu sais, tu me connais. Je me tais quand je vois les gens parler. Si tu ne m'avais pas posé cette question, un jour, Fatou voulait m'embrasser à la DPJ. Est-ce que tu comprends? Fatou, tu comprends? C'est ce jour-là que j'ai vu qu'elle était sérieuse. Ce n'était pas du bain, c'était sérieux. Est-ce que tu comprends? Il y a quatre personnes qui sont témoins. Je te file leur numéro, tu les appelles. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, j'ai vu que je ne voulais pas aussi
comment on appelle, faire semblant avec elle. Si tu veux pas rester avec quelqu'un, il faut pas faire semblant. Est-ce que tu comprends? Il faut pas faire semblant. Sinon, je pouvais faire semblant, je pouvais rentrer dans son jeu, mais j'avais d'autres problèmes qui étaient plus importants que de sortir avec quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Pour moi, sinon, Fatou Nyelou, on n'a rien en commun où elle peut parler de moi. Fatou connaît ni moi, ni ma femme, ni rien sur moi, sur Madik. Est-ce que tu comprends? Et moi, je ne vais pas la classer. Et ce n'est pas comme ça non plus, on peut avoir un homme, quoi. Est-ce que tu comprends? Chacun a sa façon, quoi. Et pour moi, ce n'était pas la bonne. Et ce n'était pas le bon moment. Parce que c'était aussi la prison. J'ai quand même mes principes aussi. Est-ce que tu comprends? Je te le jure. J'ai vu que et ce jour-là, il y avait d'autres personnes. Je ne veux même pas dire leur nom sur la page-là. Est-ce que tu comprends? Oh, mais moi, je trouve que... Aujourd'hui, regarde, Madik, on ne peut pas venir créer des mensonges sur toi sans de la raison. Et les gens prennent ça en note. Je t'ai dit, il y a une mère qui m'a appelé. Là où on était, quoi? Elle m'a dit... Madik qui a dit ça. Voilà, l'animal de Bruxelles dit, tu sais, il y a l'animal, il y a Koulingi. Quand je te dis Koulingi, c'est l'animal sauvage. Ouais. Donc, l'animal sauvage de Bruxelles a fait un témoignage. Et il a dit, il est contre toi parce que tu es un traître, il va te combattre. Je veux savoir pourquoi cet animal-là t'a pris ennemi. Qu'est-ce que tu l'as fait? Tu sais, Paikou, tu vois la vie là. Moi, il me fait pitié. Qui fait voilà. Pitié? Ton animal là, dont tu parles là, il me fait pitié. Est-ce que tu comprends? Parce que quand je vois, tu as atteint un certain âge en Occident. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas transformer un franc en deux francs. Tu ne peux pas prendre soin de toi. Il faut que les gens prennent soin de toi. Tu ne peux pas prendre soin de ta famille. Il faut que les gens t'aident à prendre soin de ta famille. Tu ne peux pas jouer ton rôle de père. Être un père exemplaire, tu as échoué. Est-ce que tu comprends? Quand je vois sa propre famille venir contre lui, parler de lui sur les réseaux sociaux, tu sais, je vais te dire, quand je le vois, il y a un proverbe qui dit, il ressemble à quelqu'un qui a un seul testicule. Je ne pense pas s'il a deux testicules. Est-ce que tu comprends? Les personnes qui ont un testicule, écoute-moi. Oui. Un vieux comme lui, Billah, il faut vérifier, peut-être il a un testicule. Parce que quand je le vois parler, hein, quand je le vois parler, un vieillard comme lui, un Maudo comme lui, est-ce que tu comprends? Un Maudo Houdado, est-ce que tu comprends? Un Maudo, un Maudo Nyata Houta, est-ce que tu comprends? Un mot d'or, d'abounde, kunturu panchara. Est-ce que tu comprends? Un mot d'or, sunumkure. Est-ce que tu comprends? Donc, quand je vois que si ce n'est pas ta question, je ne réponds pas. Il ne peut pas être ennemi avec moi. Il ne peut pas être adversaire avec moi. C'est eux qui ont insulté ce Loudalène quand on était là. C'est eux qui ont traité ce Loudalène de tout. Est-ce que tu comprends? Et moi, ce qui joue sur moi aujourd'hui, de fait que cet homme-là m'a approché de lui. De fait qu'on est là, est-ce que tu comprends? Hey, Paikou, tu sais, c'est pas parce qu'on ne peut pas parler. Hey, Madik, là, c'est Madik. Mes bérets sont là, mes uniformes sont là. Est-ce que tu comprends? Mais il faut être sélectif dans les batailles. Des fois, si tu connais la vérité, là, regarde, il y a des choses que les gens n'étaient même pas au courant. Est-ce que tu comprends? Hey, mon frère, ils vont crier, ils vont monter. Ils vont descendre. Ce n'est pas moi qui vais monétiser leur page. Je n'ai pas ce temps-là, Paikou. J'ai mes projets. Ils ont pour monétiser leur page, ils veulent les adversaires. Je vais te dire, Paikou, si tu vois aujourd'hui, on parle encore de Madik sur les réseaux sociaux parce que personne n'a d'abord bâti mes records. Est-ce que tu comprends? C'est que Madik est au sommet encore, quoi. Sinon, mon frère, ça fait longtemps que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je vais savoir, c'est quoi Ngata Outa? Tu sais, Ngata Outa, tu sais, c'est des fourmis rouges là, qui rentrent dans les caleçons de tout le monde. Il faut voir un vieux comme ça, un vieux comme lui. Imagine, un vieux comme lui qui a un testicule. Il ne fait que courir derrière les femmes retraitées, derrière les femmes qui ont fini leur vie. C'est qu'il a assez lamenté, à taper la poitrine pour ça.
Tandis que ses amis ont fini de réaliser, ont fini de réussir, ont là pour aider leurs parents. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour cela, il n'y a pas de débat entre nous. Il vient de monétiser sa page. S'il veut de l'argent, il n'a qu'à aller chercher buzz avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends? Mais nous, on a fini avec ça. Nous, on évolue. Nous, on avance. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bien entendu. Tu sais pourquoi je te pose ces questions? Exemple, moi, je peux dire que, tu sais, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi toi, tu t'attaques pas au Madik. Parce que moi, d'ailleurs, j'ai dit certains manichés ne sont pas bons comme d'autres ma communauté. Je vais dire, tu avais informé, je suis le premier blogueur de descendre en Guinée, destination au Palais Mohamed V, avec des tapis. Je sais de quoi j'ai changé avec notre Mamadi Doumbouya. Tu peux faire tout avec lui. Tu m'avais mis en rapport avec Dansa Kourouma, que je parle. Tous les moyens pour arrêter lui, il va m'accueillir. Mais l'homme d'abord, c'est la dignité parce que les gens ne savent pas. CNRD pouvait utiliser contre ces Loudanais. Je le savais. Aujourd'hui, je sais, tu as quelle relation avec Ousmane Gawal. Et tu pouvais le faire. Ouais. Mais dans ces raisons, je dis, les gens n'ont qu'à arrêter de créer la haine. Ce n'est pas ces Loudanais, ce n'est pas l'IFDZ. Mais c'est les gens qui sont contre toi. Comme j'ai vu ton ami de Viras de Pitala. Il dit, lui, ils savent de toi. Tu sais, parce que, regarde, ils ont dit tu es venu dans l'IFDZ tout simplement parce que ton rêve était pour marier une femme pure. Est-ce que c'était... Tu sais, ils vont je sais pas qui, c'est un de mes cousins qui m'a appelé, il m'a dit ça aussi, quoi. Est-ce que tu comprends? Tu sais, je vais te dire, Paco, je vais te dire, aujourd'hui, Dieu merci, quand ça chauffe, sur les pages, quand il n'y a pas de monétisation, quand je dis un mot, ils vont m'attaquer, quoi. Dieu merci aussi. Il faut avoir le dos large. Tu sais, je ne vais pas parler de ma femme. C'est quelqu'une que je respecte beaucoup. Est-ce que tu comprends? Qui n'a rien à voir avec ce truc-là. Est-ce que tu comprends? IFDG, je te dis ce qu'ils veulent pour que moi, je m'attaque à l'UFDG. Est-ce que tu comprends, Paiko? Est-ce que tu comprends? Un parti politique comme l'UFDG, les responsables de l'UFDG savent comment je suis rentré, les missions que j'ai accomplies. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu quittes dans un parti, il y a des lettres qu'on t'envoie. Et la lettre la plus importante, c'est la lettre du président Sélou. Si tu veux, je peux t'envoyer la lettre du président Sélou, ce qu'il m'a envoyé. Est-ce que tu comprends? Ça me suffit largement. Et les militants de base, qui ne connaissent pas l'UFDG, qui ne connaissent pas les normes internes, qui disent qu'ils défendent ces loups, mais ils ne connaissent même pas ces loups, ils ne connaissent même pas la valeur de ces loups, ils ne connaissent même pas les principes de ces loups, c'est ce qui est triste. Est-ce que tu comprends? C'est ce qui est triste. Et il ne faut pas te fier à ces personnes-là, attaquer l'UFDG. Il ne faut pas te fier à ces personnes-là, attaquer toute la communauté PELU. C'est ce qu'ils veulent. Mais c'est des faibles, Paiko. Quand tu vois quelqu'un dire, Paiko, Madik, n'aime pas les peuls. Il faut t'asseoir. Tu regardes la personne. Billahi Talai. Billahi Talai. Il se reproche de quelque chose. Billahi Talai. Il est petit ou il est petit dans la tête. Et Dieu merci, les réseaux sociaux, tout est affiché. Paikoum, que tu sois malinqué, que tu sois peul, que tu sois forestier, que tu sois soussou, une mauvaise personne, tu ne peux pas t'entendre avec Madik. Est-ce que tu comprends? Il y a des mauvaises personnes dans toutes les communautés. Il y a des mauvaises personnes. Et les petites. Et puis c'est une petite portion. Et c'est ces mauvaises personnes-là qui transforment les problèmes en problème communautariste. Est-ce que tu comprends? Si moi, Paikoum, quand je viens à Dakar, qui me sert à l'aéroport? C'est moi. C'est toi? Oui. Toi, tu es forestier ou bien tu es soussou? Je suis Peul. Qui nous reçoit dans sa boutique? C'est un Peul. On va chez quel président? Le président guinéen, c'est Loudanais. Réponds, on mange c'est qui? C'est le président, c'est lui. Donc, malgré tout ça, je t'aime pas, quoi. Donc, il y a des choses, les réponses même sont là, quoi. Est-ce que tu comprends? Et c'est des petites personnes qui sont étouffées. Ils sont étouffés, ils ont raté.
quelle drogue que Madik peut boire, venir insulter une communauté. Ce que Madik a fait, la vérité que Madik a donnée à la communauté, il n'y a aucun malin qui peut le faire. Pendant les moments difficiles, pendant que Alpha Condé était à 100%, et ça m'a coûté la prison 9 mois, et je ne regrette pas d'avoir dit les vérités de cette communauté, je ne regrette pas d'avoir dit les vérités à ces loups, je ne regrette pas d'avoir resté auprès de ces loups, passer les moments difficiles là, je ne regretterai jamais. C'est Madik qui te dit ça. Ça, c'est la voix de Madik, l'imperturbable Madik, un homme voilà. Responsable de ses actes et de ses paroles. Madik, maintenant, la kidnapping reprend à Conakry. De quoi tu penses? Aujourd'hui, on a kidnappé ce Loubalde. Et comment tu vois cela? Pourquoi Mamadi Doumbouya et son CNRD a kidnappé ce Loubalde? Et pourquoi aujourd'hui Madik ne dénonce plus les mauvaises gouvernances de CNRD? Merci pour cette question. Paikou, des fois je me pose la question, est-ce que dénoncer, ça va changer la Guinée quoi? Est-ce que tu comprends? Au temps de M. Alpha Condé, on a dénoncé, on a tout fait, est-ce que tu comprends? Tu m'as invité, ça fait un an tu m'as invité sur ta page, est-ce que tu comprends? Je dis Paikou, on a un système, il y a des mauvaises personnes dans tous les camps. C'est le plus gros problème aujourd'hui de la Guinée. Et Paikou, j'ai fait 6 mois en Guinée. Est-ce que tu comprends? Je ne peux pas dire que je connais tout ce qui se prépare ou tout ce qui se fait, mais je connais beaucoup de choses, Paikou. Des fois, toute seule, je me demande, est-ce que dénoncer, ça vaut la peine? Est-ce que je dois mettre mon énergie encore dedans? Est-ce que je vais perdre encore mon temps dedans? Pourquoi mon énergie? Pourquoi perdre mon temps? Parce que le combat de la Guinée, Paikou, Madik t'a dit il y a un an, on va fêter notre 100e anniversaire dans la même situation. Je t'ai dit, la vidéo est là. Est-ce que tu comprends? Parce que j'ai compris le système. Est-ce que tu comprends? J'ai compris le système. Alpha Condé est parti aujourd'hui. Mais le système est là. Doumbouya est là. Le système est là. Doumbouya va partir. Le système est là. Est-ce que tu comprends? Parce que le système a réussi à se cramponner en Guinée, à se diviser. Est-ce que tu comprends? Le système là, la façon dont le système est fait entourer Doumbouya, c'est la même façon que le système s'entoure des uns et des autres. Est-ce que tu comprends? Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, dans l'ombre, ils sont partis pour avoir des places. Ils n'ont pas eu de place. Ils se sont rebellés. Et ils vont se servir du peuple pour faire un combat, dire qu'on fait pour le peuple. Mais mon frère, Paikou, si Dieu pouvait amener le soleil en pleine nuit, mon frère, on va connaître beaucoup de personnes. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne s'agit pas de parler, il ne s'agit pas de dénoncer. Ma question, elle est la suivante. Est-ce que ça va changer quelque chose? Mais aujourd'hui, regarde, je vais te dire. Comment tu vois aujourd'hui Ousmane Gawal, qui était prof de ces Loudalins, qui a piloté l'habitat pour casser la maison de ces Loudalins, et aujourd'hui, dans un audio qui est sorti publiquement, là où Ousmane Gawal insulte ces loups d'Alain. Et un jour, tu m'as dit, il y a d'autres qui mangent avec ces loups qui passent la nuit chez Alpha Condé. Exactement, c'est des membres de l'IFDG. C'était qui exactement? Je ne vais pas personnaliser le débat. Tu sais, j'ai compris quelque chose en Guinée. Le Guinéen n'aime pas la vérité. La preuve en est que je t'ai dit un jour, je dis, mais c'est celui qui est mal entouré. Ça fait un an. Tout le monde m'a insulté. Tu es témoin de ma déclaration là. D'autres ont dit, ah, la prison a fait mal à Madik. D'autres disent, ah, Madik a été acheté. Chacun dit ce qu'il veut, quoi. Mais à ma grande surprise, il y a certains membres de l'UFDG responsables. Ils m'ont invité. Je vais t'envoyer les photos. On a mangé, dîné ensemble. Il y a un qui dit, ah, Madik, il y a un an, tu as dit quelque chose. Je ne comprenais pas, je te donne raison. Ce n'est pas une question de raison. Est-ce que tu comprends? Paikou, le jour que le Guinéen va accepter de dénoncer les mauvaises personnes dans son camp, dans son parti politique, dans sa communauté, la Guinée va aller de l'avance. Ça, c'est dans toutes les communautés. C'est dans tous les partis politiques. Est-ce que tu comprends? Et ce qui est le pire, le système dont nous combattons existe dans tous les camps. Est-ce que tu comprends?
Donc, c'est une question de savoir, est-ce que je vais mettre mon énergie encore dedans? Parce que, par exemple, tu vois la Guinée, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais quand il tombe, il n'y a personne. Quand il t'arrive des malheurs, il n'y a personne. Je vais te donner un exemple. Une fois, la femme de Roger Bamba va voir la petite. Aujourd'hui, personne n'est là pour elle. Personne n'est là pour elle. Après, les gens sont là à dire, je suis Roger Bamba. Il est décédé dignement. Il est décédé pour son pays. Il est décédé pour ci. Il est décédé pour ça. C'est moi qui te dis. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux. Ça c'est le respect aussi de Elagise Noudal Ndiallo. Est-ce que tu comprends? Je sais. Je sais dans quelle angoisse elle vit aujourd'hui. Donc, c'est un exemple frappant parce que Bamba, Rosé est décédée dans notre main en prison. Elle est abandonnée. Je t'ai dit, la femme de Rosé Bamba est abandonnée. Qui l'a abandonnée? Pourtant, on a contribué de l'argent pour elle. Elle est abandonnée. Après ce truc, après ça, je vous mets en contact. Elle va t'expliquer très clairement, Paikou. Après ça, je vous mets en contact. Tout ce que je t'ai dit, après, je te mets en contact avec les personnes. Est-ce que tu comprends? Tu sais, à un moment donné, Paikou, il faut chercher à savoir, est-ce que... Regarde la Guinée, Paikou. Regarde la Guinée aujourd'hui. Regarde la Guinée aujourd'hui. Les règlements de comptes. La haine. L'injustice. Est-ce que tu comprends? Les guerres communautaristes, l'ethnocentrisme a détruit ce pays. A détruit ce pays. Les 5 dernières années, on a tout abandonné. Essayez de faire ce qu'on peut pour ce pays. Mais pendant que toi, tu mets des briques, il y a d'autres qui enlèvent les briques là. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, moi, je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné, Paikou. Je ne suis pas étonné. En réalité, rien ne m'étonne en Guinée. Aujourd'hui, tu as quelle relation avec Ousmane Gawal? Ousmane Gawal, on se parle. On se parle comme tous les prisonniers qui étaient avec moi en prison. Je parle avec tout le monde. J'ai gardé le même lien qu'on avait en prison. C'est le Baldé, même l'autre jour, Koto Ablaïba, on a parlé. Toutes ces personnes-là, les Bernard et les Soropodi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont dit tu as cherché des postes malgré les CNRD n'ont pas accepté? Et s'ils t'acceptent, est-ce que tu vas être comme Ousmane Gawal pour lutter contre ces Loudanais? Déjà, je ne sais pas, ça vient d'où l'information-là. Tu sais, Paikou. Tu sais, l'affaire des postes. Il y a Mandia Sidibé qui est le directeur de la publicité guinéenne. Oui, mais pas écoute. Abi m'a dit qu'avec Mamadi Doumbouya et beaucoup de cadres de CNRD, donc qu'ils appellent mes anniversaires. Mais pas écoute. Pas écoute. Pour moi, il y avait plus important que d'avoir un poste, quoi. Est-ce que tu comprends? Parce que je voulais connaître. Non seulement ces personnes qui étaient nouveaux pour moi, il y a beaucoup de personnes, je ne les connaissais pas, est-ce que tu comprends? Donc, j'ai pris le courage, j'ai pris mon temps de foncer vers eux pour les reconnaître. Est-ce que tu comprends? Tu ne verras jamais quelqu'un en Guinée. Je te dis ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'envoyer exceptionnellement un message. La première personne qui m'a parlé un message, ah, est-ce que tu veux venir travailler avec nous. Tu sais, les dates sont là. Tu vas voir la réponse de Madik. Est-ce que tu comprends? Paikou, tu ne verras jamais quelqu'un en Guinée de A à Z qui va te dire Madik m'a parlé des postes ou Madik m'a envoyé quelque chose pour affaire des postes ou quoi que ce soit. J'en ai pas besoin, Paikou. Je vais te dire pourquoi. Moi, j'ai grandi dans l'entrepreneuriat, quoi. Est-ce que tu comprends? J'aime ça, être autonome. C'est que travailler pour moi, gérer mes affaires pour moi. Et moi, je suis venu en Guinée avec un projet. Et je suis là pour la suite du projet. J'ai les documents. Je peux tout envoyer. Tu vas lire noir sur blanc. Est-ce que tu comprends? Et depuis autant de Alpha, moi, je viens en Guinée avec mes projets. Et je vais continuer à travailler sur mes projets. Parce que pour moi, on ne se bat pas pour avoir quoi que ce soit.
Maintenant, je te repose la question là. Il faut dire à ceux qui disent ça, les militants des bases de l'UFDG, d'aller demander le bureau exécutif de l'UFDG, d'aller demander le président de l'UFDG que si Madik a conditionné une fois son adhération à l'UFDG. Ils n'ont qu'à aller leur demander. Et pas écoute, je dis aussi haut et fort. Écoute-moi. Envoyé, voilà. Madik, est-ce que tu soutiens Mamadi Doumbouya et son transition actuellement? Il faut dissocier les deux d'abord. Il y a la personne de Mamadi Doumbouya, il y a la transition. Tant qu'il parle de Mamadi Doumbouya, c'est d'abord un assassin qui a fait un coup d'État illégal, qui a trompé le peuple, qui a menti, qui a détruit les biens du peuple. Ça, c'est Mamadi Doumbouya. C'est qu'on te demande simplement, oui ou non, tu soutiens Mamadi Doumbouya et son CNRD actuellement et son transition? Je vais te dire quelque chose qui va te surprendre aujourd'hui, je vais te dire. Tu sais qu'à 2 semaines de mon voyage à Conakry, je fais des bagarres au palais présidentiel avec les proches de Mamadi. écoutez, là, ça va péter. Oui, quel bagarre. Je peux t'envoyer toutes les preuves. Je ne vais pas dire le nom de la personne. J'ai eu un gros problème avec quelqu'un à la présidence au nom de ma maman. À 2 semaines de mon arrivée, Billahi Talaï, ça allait même sortir sur les réseaux sociaux. C'est un de mes amis, anciens amis, qui est venu calmer ça. On a grandi ensemble, mais il est garde à la présidence, quoi. Je ne vais pas dire son nom. Billahi Talaï, avec un proche de Doumbouya. Pourquoi je te dis aujourd'hui, il y a la transition, il y a Doumbouya. C'est très important. Paikou, Doumbouya a des mauvaises personnes autour de lui. Est-ce que tu comprends? Et ce que je te dis là, je les ai dit face à face là-bas, il a des mauvaises personnes autour de lui. Et je vais te dire encore aujourd'hui, il faut prendre note. Les Guinéens s'amusent. Le système va nous amener dans le pire. Paikou, Madik te dit ça aujourd'hui. Le système va nous amener dans le pire. Les personnes de mauvaise foi sont là-bas. Les personnes qui ne veulent pas la stabilité dans notre pays sont là-bas. Est-ce que tu comprends? Et le pays, moi je me suis battu. Paikou, wallahi billahi tallahi. Je te le jure. Là, ce qu'on veut savoir exactement, tu les soutiens ou pas? Quant à la transition, il y a des choses que j'approuve pas. Il y a des choses que j'approuve. Il y a des personnes dans la transition qui sont là pour l'intérêt. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour l'intérêt. Il y a des personnes qui sont là avec l'idée de rassembler les Guinéens, comme il y a des personnes qui sont là avec les idées de séparer les Guinéens. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui se sont regroupées dans la transition. C'est pour cela que c'est difficile. Écoute-moi. Regarde, quand tu prends la transition, j'ai beaucoup échangé avec le président du CNT dans ça. Un ami, on a beaucoup parlé. Il y a des idées. Mais écoute, Dansa Kuruma, qui était un promoteur de troisième mandat, aujourd'hui qui est devenu un président de CNT, tu crois à Dansa et son combat? Paikou, est-ce que si on doit combattre tous les promoteurs de troisième mandat et les promoteurs de troisième mandat qui sont allés dans l'opposition, comment on doit les combattre? C'est que ceux qui ont fait la promotion de troisième mandat, qui étaient avec Alpha Condé aujourd'hui, qui se sont alliés avec l'opposition, comment on va les combattre? Mais ça, c'est un parti politique. Ils sont partis du troisième mandat à travers Alpha Condé. Ils n'avaient pas le choix. Non, on a le choix. On a toujours le choix. Pourquoi toi, tu n'es pas allé... pourquoi toi, tu n'as pas fait la promotion de troisième mandat? Pourquoi moi, je n'ai pas fait la promotion de troisième mandat? Parce que ce n'était pas bon pour la Guinée. Ça ne rentrait pas, ce n'était pas... en conformité avec les normes juridiques de notre pays. Est-ce que tu comprends? C'est un combat patriotique. Donc, si on doit mettre les personnes dans le même bateau, c'est toutes les personnes. Il ne faut pas sélectionner les personnes parce qu'ils ne sont pas de notre camp. C'est ça le problème de la Guinée. Est-ce que tu comprends? C'est ça le problème de la Guinée, Paikou.
D'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit, là où ils m'ont envoyé des questions, Madik Sans Frontières a reçu Mamadi Doumbouya avec beaucoup d'argent. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya et son clan CNRD en train de lui pousser pour s'attaquer à l'IFDZ. Est-ce que vrai ou faux? Ah, pas écoute. Tu Dis, sais. demande, c'est à vous Non, de répondre. je vais répondre. Je vais répondre, pas écoute. Je me rappelle quand je suis allé avec M. Dalin, on dit que M. Dalin m'a donné l'argent pour attaquer Alpha. Est-ce que tu comprends? Tu sais, la réponse est toujours claire, pas écoute. Est-ce que tu comprends? Les gens parlent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as entendu un élément de l'UFDG dire que Amadi Karam nous notre argent? Sinon, si tu prends l'argent de quelqu'un, tu arrêtes de faire le combat. La personne va te dire, donne-moi mon argent. Et quand, avec Alpha Condé, tu as entendu un RPJ dire que donne notre argent, mais pas écoute. Tu sais, la Guinée, regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a un problème de 1 milliard sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu comprends? Il y a un problème de 1 milliard. Et est-ce qu'on a dit que Madik a reçu 1 milliard? Non. Donc, tu sais, il y a des rumeurs en Guinée. Il y a des rumeurs. Et pas écoute, je vais te dire. Le président Mamadi Doumbouya, il a fait un acte là. Quand mon père était malade, Oui. Mamadi Doumbouya, il prend son téléphone, il appelle ma mère pour prendre les nouvelles de santé de mon père. Je lui dois ce respect-là. Est-ce que tu comprends? Je lui dois ce respect-là. Et au-delà de ça, je vais te dire une chose. Les jeunes là, qui parlent là, mon frère, Paikou, ce n'est pas des vrais hommes. Moi, Madik, aujourd'hui, j'ai accès à Selou, M. Dalin, j'ai accès à Mamadi Doumbouya. Toi, en âme et conscience, qu'est-ce que je dois faire? Je vais te dire aujourd'hui, pour que ces deux-là se comprennent. Pour que ces deux-là se comprennent, Paikou. Si Madik doit jouer un rôle, c'est ça. Pour que ces deux-là se comprennent. Parce que la plus bonne chose là, c'est de traverser le moment qu'on traverse aujourd'hui en Guinée. Je vais te dire une chose. Moi, ça me fait mal de voir M. Dalin voyager dans les pays, de voir M. Dalin qui n'est pas en Guinée, de voir M. Dalin qui n'est pas stable dans son pays. Moi, ça me fait mal. Merci, d'accord. Je vais vous poser une question. Oui. Mamadi Doumbouya a chassé ses loudalènes en Guinée, oui ou non? Jusqu'aux preuves du contraire, moi je vais dire non. Ok. De quelles raisons aujourd'hui tu peux juger là où Mamadi Doumbouya a dit à Bambéto, on va faire le sale boulot. Après ces mots, il a tiré 15 peuples. Précisément, je vais te citer. Un à Walindra, deux à Bambéto, un à Hamdallah Pharmacie, un autre à Concaster. Et aujourd'hui, de quel motif nous, on peut croire à Mamadi Doumbouya? Et Mamadi Doumbouya avait dit, il n'est pas venu pour confixer le pouvoir. Et aujourd'hui, selon notre analyse, Mamadi Doumbouya avait confixé le pouvoir. Parce que, un, il est en train de faire des arrestations arbitraires. Il est en train de chasser les hommes des opinions. Il est en train de chasser des opposants. Ce n'est pas seulement Selou Dalein qui se trouve en exil. Aujourd'hui, Sidya Touré se trouve à Côte d'Ivoire. Comment tu vois cela? Paikou, tout ce qui se passe en Guinée là, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est la première fois en Guinée? Non. Mais le temps Mais d'avant, c'est on pour a te dire. cassé des passeports, mais on n'a pas cassé des maisons, des gens Oui, comme ça. je vais te répondre. Je vais te répondre. Depuis D'accord. la Guinée, il faut que, quand tu poses une question, il faut que tu m'écoutes, hein? Je vais Merci. te dire ma réponse et ma vision des choses. Est-ce que tu comprends? Thank you. Beaucoup ont été vidés dans leur maison. Est-ce que tu comprends? La façon dont ils ont fait avec ces loups, M. Dalin, moi, ça m'a fait mal. J'ai parlé, j'ai même posté. J'ai même posté. Est-ce que tu comprends? Et casser la maison avant la justice, ce n'était pas normal. Dis à qui veut l'entendre. Est-ce que tu comprends? De l'autre côté, Paikou, tu vois la Guinée, j'ai dit au début de notre intervention, aujourd'hui, chacun, on va tous braquer
les radars sur Mamadi Doumbouya. Tout le monde. Mais il y a des personnes en Guinée pires que Mamadi Doumbouya. C'est Madi qui te dit. Pourquoi je te dis il y a des personnes pires que Mamadi Doumbouya? Il y a un an, Mamadi Doumbouya n'était pas au pouvoir. Il y a un an, Mamadi Doumbouya... Écoute-moi, j'arrive. Écoute, monsieur Madik, c'est les hommes Doumbouya qui tiraient les hommes. Et on a des vidéos. C'est des hommes camoufoulés qui venaient à Bambeto pour tirer. J'en viens. Qui était inscrit par Alpha Condé aujourd'hui. Il n'y a pas de PA. Aujourd'hui, c'est le haut commandement de la gendarmerie, Bala Samoura, qui pilote des kidnappings à Conakry. Écoute-moi. Est-ce que tu trouves Mamadi Doumbouya un bon perso? Selon ton analyse. Aujourd'hui, quand tu deviens président, est-ce que tu souhaites faire ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire actuellement? Pas écoute. Moi, je ne souhaiterais ça à personne. Est-ce que tu comprends? Parce que casse les portes. Écoute-moi. Quand tu deviens président, tu tires des innocents. Mais on ne peut pas défendre ça. Écoute-moi. Écoute-moi, pas écoute. Tu sais, les mêmes choses vont se répéter en Guinée. C'est un pays de règlement de comptes, c'est un pays de haine. Est-ce que tu comprends? Le pouvoir, je l'ai dit au temps de Alpha Condé, tout est éphémère. Tout est éphémère. Mais pas écoute, il y a des personnes en Guinée, Madik dit, je vais répéter, Mamadi va quitter. Comme Alpha a quitté, on va vivre la même chose en Guinée. Il faut chercher à comprendre le mot-là. Doumbouya va quitter, peu mais importe, si tu veux. Si tu veux, on fait 10 coups d'État. Écoute-moi, ils font 10 coups d'État en Guinée, 10. Tant que le système n'est pas amorti, les mêmes erreurs vont se répéter. Tu sais pourquoi les mêmes erreurs vont se répéter, Paikou? Parce que les victimes d'aujourd'hui vont prendre le pouvoir demain, ils vont se venger. C'est qu'il y a eu des victimes d'hier qui ont pris le pouvoir, qui vont se venger. La Guinée, c'est ça, en fait. Il y a certaines histoires. Qui était à Tokounou, qui était le seul blogueur, je vais assumer, qui était en Guinée, accompagné Selou Daleng à Tokounou. Ouais. Aujourd'hui, Selou Daleng prend le pouvoir. À ta connaissance, est-ce que Selou Daleng peut autoriser un ministre de la Sécurité de faire le même travail? Cette bénédiction, je vais faire à M. Selou Daleng Diallo. S'il doit prendre le pouvoir, qu'Allah fasse qu'il ne s'entoure pas du système. Sinon, on va vivre la même chose. C'est indépendant, ça sera indépendamment de sa volonté. C'est lui seul, pas écoute, c'est lui seul, tout seul. Il ne peut même pas tuer une mouche. Je ne sais pas si tu comprends. Mais c'est dans l'un seul, il ne peut pas tuer une mouche. Mais on dit un État, regarde, le président peut donner des ordres au palais. Il y a des problèmes qui se sont passés en Guinée. Je ne vais même pas dire sur les réseaux sociaux. Quoi. Est-ce que tu comprends? Le président peut donner des ordres à quelqu'un. La personne peut interpréter. C'est comme tu peux envoyer quelqu'un au président. La personne peut interpréter ce que tu lui as dit de dire au président. Que Dieu n'entoure pas un président des mauvaises personnes. Sinon, tu vas faire du mal. Tu vas faire du mal. D'accord. M sans frontières ce soir, il va vous rassurer beaucoup de choses. Je m'excuse bien. Aujourd'hui, Madik, est-ce que tu crois à Mamadi Doumbouya? Il va organiser les élections en Guinée après une année de conviction de pouvoir sans délai légal en Guinée. Est-ce que j'ai posé la question là au président du CNT. Oui, je l'ai posé cette question. Est-ce qu'ils vont organiser les élections? Il a juré devant moi. Il n'était pas obligé. Il dit oui, les élections seront organisées. J'ai demandé aussi d'autres personnalités du pays. Oui, parce que ça me tient à cœur. C'est des premières questions que je suis venu d'abord à l'idée savoir. Mamadi Doumbouya a juré. Il a dit il ne va pas faire sa sorcière. Il a dit il ne va pas faire un règlement des comptes. Il a dit les erreurs du passé ne vont pas se répéter. Et aujourd'hui, on voit de même chose. Est-ce que tu les crois? Aujourd'hui, on est en train d'aller vers les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs se répètent en Guinée. Est-ce que tu comprends? Tu vois, Mamadi, on a parlé. On a échangé. Souvent, les échanges, tu ne peux pas tout dire sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu comprends? Billahi Talai. Si
si Dieu me donne la force, les capacités pour que ces deux personnes-là se comprennent, Paikou, la Guinée, on va éviter tous ces problèmes-là. Parce qu'il y a des personnes, regarde, il y a des personnes, écoute-moi, il y a des personnes qui se trouvent aujourd'hui au trône, au pouvoir, qui n'aiment pas la tête de Selou. Est-ce que tu comprends? Il y a des personnes aujourd'hui autour de M. Selou qui n'aiment pas la tête de ceux qui sont au pouvoir. Et mais si on se fie au sentiment personnel de tout un chacun, la Guinée ne va pas marcher. Et mais si on met les deux personnes, si on met les deux personnes ensemble. Non, Madik, est-ce que tu étais au courant, Mamadi Doumbouya n'a jamais accepté de recevoir Selou Dalé, malgré ce qu'il a souhaité? Ça, je ne suis pas au courant de ça. Ça, je ne suis pas au courant de ça. Et tu étais au courant, Selou Dalé était menacé au camp Samouri, à la présence de Koulibaly, même temps Bala Samoura? Quand ça? Le moment qu'ils sont convoqués, c'est Selou Dalé et Sidi Touré et certains cadres politiques. Ça, Il faut remarquer, Paikou, quand j'ai arrêté les activités sur la toile, tu me connais, il y a des informations, même c'est toi qui me donnes. Est-ce que tu comprends? Parce que je t'ai concentré sur mes affaires. C'est quand je suis arrivé en Guinée dernièrement, je t'ai obligé de faire des enquêtes, de chercher à connaître beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends? Oh, le moment que tu es en Guinée, tu as fait une vidéo là où tu dis ton démarche, c'est de faire passer Selou Dalé et Mamadi Doumbouya ensemble. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya t'avait dit à travers de ton propos? Parce que tu l'as proposé de parler avec Selou. Qu'est-ce qu'il t'avait répondu? Paikoum, Wallahi billahi talai. Si on écarte les mauvaises personnes autour de lui. Il essaie? Non, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Je veux pas dire le nom des personnes, quoi. Est-ce que tu comprends? Parce que ça sert à rien, quoi. Mais, Paikoum, si on éloigne des mauvaises personnes là, je te dis, si on éloigne ces mauvaises personnes qui sont là pour leur propre intérêt, qui dit ni la vérité au président, ni la vérité à Selou. Est-ce que tu comprends? Et il y a beaucoup d'intox, il y a beaucoup de rumeurs. Dire que Paikou, envoie un message à Paikou, dire que quand tu viens, Madik va te tirer une balle dans la tête. Paikou, Madik, quand tu vas, Paikou va t'empoisonner. La Guinée, c'est un pays comme ça. Et c'est pour polémiquer les choses. Paikou, je vais te dire une chose. Écoute-moi, M. Dalé. Paikou, M. Dalé, je vais te dire une chose. Billahi Talai, Wallahi Billahi Talai, ce qu'il a subi au temps de Alpha, ce qu'il a subi, des fois je lui regarde, je me demande comment il fait. Pour moi, il a vécu pire. Il a déjà vécu pire, quoi. Est-ce que tu comprends? Il a eu des choses pires, quoi. Parce que tu m'as dit tout de suite, pendant les campagnes 2020, on va d'abord depuis 2010. Depuis 2010, il est en train d'encaisser, de subir. Jusqu'en 2020, que je suis témoin. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Il a beaucoup subi, quoi. Est-ce que tu comprends? Ok. Donc, c'est pour te dire aujourd'hui, la Guinée est mal barrée. On va revenir sur les faits de Mamadi Doumbouya à son entourage. Parce que moi, aujourd'hui, je sais que Mamadi, c'était malhonnête. Aujourd'hui, tu dis que d'autres sont traités. Tu as quelle nouvelle pour commandant Ali, qui était la 10e personne des forces spéciales, qui était pris en otage à Guéguédou, piloté à Conakry, et qui était même temps aussi à la maison centrale emprisonné? Les éléments de Bala Samoura est venu pour lui menacer. Aujourd'hui, comment tu ressentis? Est-ce que tu as la confiance de Mamadi Doumbouya? Selon commandant Ali et son histoire. Depuis quand sa femme a accouché, Mamadi Doumbouya n'a pas rendu visite à sa famille. Mamadi Doumbouya n'a rien fait. Mamadi Doumbouya, on ne sait pas si le commandant Ali est vivant ou mort. Comment tu trouves cela? Moi, tu sais, il y a des informations.
Taikou, c'est difficile à dire sur les réseaux sociaux, quoi. Est-ce que tu comprends? Et les dernières informations que moi j'ai eues d'Ali, Alia, il va très bien. Est-ce que tu comprends? Alia est vivant. Mais je n'ai jamais su c'est quoi le problème entre Alia et Mamadi Doumbouya. Est-ce que tu comprends? Je n'ai jamais été quelqu'un qui voulait aller jusqu'au fond, chercher à savoir qu'est-ce qui est. Est-ce que tu comprends? Mais il fut un moment, j'ai réussi à avoir des nouvelles d'Alia. Est-ce que tu comprends? Parce que je ne voulais pas me mêler dans quelque chose que je ne connais pas. Est-ce que tu comprends? Que je ne connais pas. Donc, c'est pour te dire, Paikou, la Guinée est un pays de fausses informations. La Guinée est un pays qui enflamme les choses. Aujourd'hui, si ça ne va pas en Guinée, ça va jouer sur tout le monde. Peu importe notre emplacement. Est-ce que tu comprends? Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu es au courant que Mamadi Doumbouya est en train de mettre en Guinée dans l'enfer? L'enfer de la Guinée, l'enfer de la Guinée, il y a des personnes, ils ne sont pas affichés, mais c'est eux qui mettent la Guinée dans l'enfer. Ce qui est intéressant, écoute-moi, Est-ce que tu es au écoute-moi, je courant vais te dire. qui est responsable de tout ce qui passe actuellement en Guinée? Paikou, qu'est-ce qui nous a amené à faire un coup d'État? C'est l'appui de Mamadi Doumbouya parce qu'il était. Non, la cause, quoi? Qu'est-ce qui a fait que la Guinée s'est retrouvée dans un coup d'État, quoi? Parce que tout simplement, Mamadi Doumbouya et son clan a piloté le troisième mandat pour faire un coup d'État. Tu vois les raisons en Guinée, c'est les mêmes raisons, Paikou. Mal gouvernance, problème ethnique, détournement des deniers publics, les arrestations arbitraires. Est-ce que tu comprends? C'est ça notre problème en Guinée. Depuis la nuit des temps, depuis la Guinée et la Guinée, on vit dans le même système. Les têtes changent, mais le système reste. Et une énième fois encore, je vais revenir en arrière. Tu sais, quand on était en prison, quand on te demande, Paikou, qui a donné l'ordre pour arrêter Madik? Bon. Tu vas dire, tu vas dire que Alpha Condé. Mais Alpha Condé était au courant que tu Non, étais. écoute-moi. C'est après. Alpha Condé t'a demandé pourquoi tu l'insultais. Non, écoute-moi. Avant ça, tout. Avant ça, c'est après tout. Je suis la personne qui a ordonné de m'arrêter. C'est après ça, on a su. Je ne vais pas dire le nom de la personne. Foniké nous réveille. Appelle Souleymane Kondé, tu lui demandes à Boston. Nous dire qui l'a arrêté. On était dépassés. Ismaël Kondé qui est maire aujourd'hui. Souleymane Kondé. Et c'est après, maintenant, on voit aussi d'autres réalités. On voit d'autres réalités. Paikou. 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 Je te dis. La Guinée. La Guinée. Tout ce qui va se passer dans le pays, aucun président peut dire qu'il est au courant de tout ce qui se passe dans son pays. Aucun président. Billahi Talaï Paikou. Il y a des choses qui se sont passées devant moi. J'ai été dépassé. Je me suis engueulé, moi, avec des proches de Doumbouya. Wallahi Billahi Talaï. Ok, maintenant on vient sur un bon sujet. Pourquoi Madik en Guinée, tout le temps, c'est la régime Maniké qui prend le pouvoir et inscrit une dictature? Oh, ça, déjà. Regarde, aujourd'hui, on dit en Guinée, il n'y avait pas eu un coup d'État parce qu'Alpha Condé est libre. Mamadi Doumbouya était un proche, c'est Alpha Condé qui l'a inscrit. Ça, c'est un. Je vais dire, selon nos analyses, Mamadi Doumbouya a obtenu le pouvoir par un passage de main d'Alpha Condé. Parce que Alpha Condé n'est pas en prison, Alpha Condé est libre à ses fonctions. Exemple, aujourd'hui, je vais te dire, l'ancien ministre de la Sécurité, Damandan Albert Camara, a payé une amende. Et beaucoup de cadres qui avaient soutenu Mamadi Doumbouya ont sorti le pays sans règlement de compte, sans arrestation. Et aujourd'hui, on trouve. Bien entendu, Kassori Fofana en prison parce que tout simplement,
On l'a pris en otage parce qu'il a refusé catégoriquement de payer une dette. Et aujourd'hui, le fils de Diané, c'est un proche de Mamadi Doumbouya. Et certaines sources disent qu'il est incliné. Mais pourquoi tout le moment, quand Malik passe, il prend les pelles en otage, on fait ça, sa sorcière. Exemple, quand il prend l'histoire d'Alpha Condé, les pelles ont vécu des pires. Quand ça passe, l'histoire de Sékou Touré, les pelles ont passé les pires. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, de notre génération, que je l'estime avant qu'il ne peut pas faire ce règlement de compte, qui a cette expérience de tuer des jeunes de 20 ans, 21 ans. Est-ce que tu trouves ça normal et comment on va s'en sortir dans ça? Jamais je vais trouver ça normal. Ça fait mal voir toujours qu'on tue les Guinéens. Est-ce que tu comprends, Paikoum? Quand tu dis les c'est un peu gosmatique. Aujourd'hui, on a vu des manifestations à Ségri, on a vu des manifestations à Cancan, on a vu des manifestations à côté de l'autoroute, même Bomboli, on a vu des manifestations, même une arrestation, on n'a pas vu. Tu vois? Mais comment quand tu deviens. Parce que les gens te combattent aujourd'hui pour dire que parce que tu es maliké, tu es espion. Mais moi, je ne te prends pas comme ça, je te connais à mes consciences. Donc aujourd'hui, tu vois. Comment tu les vois aujourd'hui tous les temps? Parce que quand on dit c'est des Guinéens, je vais dire c'est faux. C'est un peu, toujours le peu. Quand tu vas à la cimetière de Bambeto, là où Mamadi Doumbouya a fait semblant de dire que ça fait pitié de tuer quelqu'un. Et il sait bien avant qu'il vienne au pouvoir, il a tué des gens à Kindia. Il y a des preuves. Il ne peut pas démentir. Là où il traite d'humain, de n'importe quoi. Il y a des vidéos, il y a des preuves. Et aujourd'hui, on voit le même Mamadi Doumbouya qui avait les PA dans la commune de Ratoma. Les jours qu'il a pris le coup d'État, il a dit tous les PA seront demandés. Tous les militaires vont rentrer au camp. Et aujourd'hui, on voit s'il y a une manifestation. On voit les bâtards à la commune de Ratoma. On voit les gendarmes. Des fois, on voit même les forces spéciales à la commune de Ratoma. Et aujourd'hui, il fait tout pour intimider les leaders des opinions. Il fait tout pour chasser les opposants. Et aujourd'hui, quand je vois Mamadi dire que Mamadi Doumbouya est bon, ça va m'étonner. Pas que je peux parler. Oui. Tu m'as posé une question tout à l'heure. Tu as précisé le nom de Ousmane Gawal. Tout ce que Ousmane Gawal fera en Guinée, est-ce que c'est Mamadi Doumbouya? Bien sûr, parce que c'est son ministre. Exemple, aujourd'hui, quand tu deviens président de la République, exemple, tu me mets préfet de Gawal ou Koundara ou Dinguirawi, tu entends un problème là-bas, tu vas appeler qui? Tu vas appeler le préfet ou moi? Parce que tu m'as confié. Exemple, si Mamadi Doumbouya était honnête, s'il était honnête, là, mais je vais dire ici, hein, là où Ousmane Gawal a traité ses loudalais, je te rappelle, il faut signer. Un jour, Ousmane Gawal va traiter Mamadi Doumbouya. Là où Mamadi Doumbouya a fait un coup d'État à Alpha Condé, il doit s'assumer. Il y aura un coup d'État contre lui parce qu'il est illégal. Aujourd'hui, Ousmane Gawal, je vais te dire, il est illégal. Dans notre communauté d'un, il a perdu la confiance. Il n'a pas la confiance. C'est-à-dire, aujourd'hui, Ousmane Gawal ne peut pas guider aucun jeune peuple. Jamais. Aujourd'hui, pourquoi il est infiltré? Parce qu'il sait bien d'abord, il a perdu la confiance, il a perdu toute sa popularité. Et aujourd'hui, quand la transition est terminée, je te rappelle, Ousmane Gawal sera terminé. Il sera comme Moutar Diallo, comme Bantamasso, comme Baoulé. C'est à chaque moment, on gagne des leaders peuls, on les manipule. Ousmane Gawal, ce n'est pas un homme de parole. Il était un complice d'Alpha Condé et beaucoup de personnes étaient au courant. Tu étais au courant aussi, il y avait toujours, tu soulignais, il y a de mauvais entourages dans l'entourage des présidents, c'est mais aujourd'hui, selon toi, là où tu vois Ousmane Gawal, est-ce que tu peux servir ce qu'Ousmane Gawal est en train de faire aujourd'hui? Si je peux faire quoi? Est-ce que tu peux jouer le rôle que Ousmane Gawal est en train de jouer actuellement dans notre pays? Non, moi, Madik va jouer son rôle. Tu sais, Paikou,
Tu sais, la vie là n'est pas compliquée. Moi là, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. La preuve en est que, quand on m'attaque, est-ce que je réponds? Parce que Mais je ne vais pas répondre. J'ai ma façon. Pour moi, quand je ne vais pas me comparer à quelqu'un pour faire ce qu'il fait. Tu vois la Guinée là? aujourd'hui, Regarde-moi. c'est qu'aujourd'hui, m'a dit quand tu deviens président, comme tu as formé un parti politique, Ah. si un de tes ministres fait cet acte que Ousmane Gaou est en train de faire, est-ce que tu peux l'accepter? Moi, on m'a dit, président, je ne vais pas l'accepter. Mais voilà, mais C'est voilà. pour te dire, c'est pour te dire, tu dis, Madik, est-ce que tu comprends? Paikoun, toi, étant président, il y a des choses que toi, Paikoun, tu vas faire. Madik ne va pas faire. Il y a des choses que Madik va faire, toi, tu ne vas pas faire. C'est pour cela, je te dis, Paikoun, on est tous différents. Ça, c'est la présidence. Je te donne un exemple aujourd'hui. Je te donne un exemple. Il y a certaines personnes qui insultent sur leur page les mamans des uns, les papas des autres. Paikoun, pourquoi tu ne le fais pas? Est-ce que tu comprends? Tu sais, on est tous différents. On a nos façons de percevoir les choses. On a nos façons de faire les choses. Est-ce que tu comprends? Et ce qui est marrant, ce qui est difficile, ce qui est compliqué dans tout ça, Paikoun, je vais te dire, Billahi Talal, les Guinéens, les plus méchants pour moi, ils ne sont pas affichés. On va passer tout notre temps à pointer du doigt qui on veut. Il y a des personnes et ils jouent leurs cartes dans l'ombre. Il y a des personnes, ils jouent leurs cartes dans l'ombre. Et tu es au courant de quelque chose. Il y a des personnes, toi tu sais, je sais, qui voient même le président, mais les gens ne sont pas au courant. Est-ce que tu comprends? Ils sont avec le président, ils sont avec tout le monde, mais les gens ne sont pas au courant. Ça, c'est dans l'ombre. Mais regarde, tu sais que Mamadi Doumbouya est au courant de tout ce qui passe à Conakry et l'intérieur du pays. Je vais être surpris, Paikoun. Tu sais pourquoi je vais être. Ah, tu sais que je ne te dis pas, Wallah, il faut. Non, je te crois. Mamadi Doumbouya donne d'inscription pour aller arrêter des gens arbitrairement. Regarde l'exemple. La femme de Yansané. La femme Fatou Yansané qui vient tout simplement parce que Ousmane Gawal a menti sur elle. Et elle va poursuivre Ousmane Gawal à la justice. Mamadi Doumbouya a accepté les propos de Ousmane Gawal pour limoger la dame. Est-ce que tu trouves ça normal? Ça, c'est quelle dame, ça? Madame Yansané qui vient Mais d'être limogée dans son fonction parce que tout toi, simplement. ça, c'est ma première. Je sais, je suis même pas au courant de ça. Elle vient d'être limogée, décret présidentiel. Et là où Mamadi Doumbouya appelle la dialogue l'Union des Guinéens. Tu vois? Ah. Et aujourd'hui, quand Mamadi Doumbouya apprend un sale boulot, il apprécie. Et comment tu vois aujourd'hui, soi-disant président de la transition, il sort publiquement. Il dit, à partir de là, on va faire le sale boulot. Est-ce qu'en tant que président responsable, tu peux prendre ces propos? Je vais prendre ce propos, tu dis devant ton peuple guinéen, je vais faire des sales boulots contre qui que ce soit. Tu trouves ça normal? Il y a beaucoup de propos en Guinée là. Ce n'est pas normal, Paikoun. Tu sais, Paikoun, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ce matin, un de mes amis de l'UFDG qui m'a appelé qu'ils ont arrêté Sèloum Baldé. Kidnapping encore. Est-ce que tu Kidnapping. comprends? Ouais. C'est que je trouve ça triste. Je trouve ça triste encore en Guinée. Aujourd'hui encore, c'est les mêmes choses qui se répètent. C'est un ami qui m'a appelé, qui me dit, m'a dit, tu as vu, on a arrêté Sèloum Baldé. Parce que jusqu'où c'est quelqu'un aujourd'hui que j'ai eu de l'estime à son égard, qui est un homme comme, il n'est pas parfait, mais qui est un homme qui défend les bonnes causes, quoi. Ce matin-là, on m'a réveillé, mon ami m'a appelé, il m'a dit ça. C'est triste. Beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent dans notre pays, Paikou. Malheureusement, si ensemble, la Guinée ensemble, fait pas une prise de conscience, nous allons vivre ça pendant très longtemps. Je ne le souhaite pas, mais c'est ça la vérité.
Merci, Monsieur Madik. D'abord, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai pris beaucoup de temps parce que les Guinéens voulaient savoir, un, votre position et votre opinion et pour quelles raisons vous avez formé un parti politique. Et si vous devenez président de la République, c'est quoi votre projet exactement? On va préparer un autre débat uniquement sur ça. Tu sais, il y a mon frère, il y a une chose sur ces parties-là. Je ne vais pas me précipiter, quoi, parce qu'il y a une raison pour ça. Est-ce que tu comprends? Je te promets, un jour, ça va, quand je vais être prêt, je vais te dire, ça pourrait arriver. Il y a quelque chose derrière ça. Est-ce que tu comprends? Toujours les gens m'envoient un message, tu vois, des notifications. On dit, pose-t-il cette question à Mamadi Doumbé, comme on appelle, à Madik Sans Frontières, est-ce qu'il soutient le CNRD et la transition ou pas? Il peut répondre oui ou non, là, c'est à Monsieur Madik de dire oui ou non, pas Sur moi. ce, ouais, non, je vais répondre. La transition sur cette chemin, moi, je ne peux pas supporter la transition sur cette chemin. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas tuer les gens. Et que moi j'accepte ça. On ne peut pas faire des arrestations arbitraires et que je vais accepter ça. Et puis ce que les gens ne comprennent pas que je vais être clair, ce que les gens ne comprennent pas, les choses là, ça me fait mal. Jusqu'à présent, je me demande, est-ce que encore on va prendre notre énergie encore pour faire la même chose, pour faire le même combat? En faisant ça, est-ce que ça va changer? Tu sais, quand on a arrêté Fonike Gani Alpha, hein? Appelle Gani Alpha tout de suite. Le lendemain, à la première heure, on était à la DPJ. Billahi Talai. La nuit, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Est-ce que tu comprends? On a dit non, c'est impossible. Appelle Gani Alpha, il va te confirmer. Appelle Maître Béa, il va te confirmer. Jusqu'à leur libération, moi, je sais ce que je fais, ce que je dis. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un. De deux, on ne peut pas tuer les gens devant moi et que je me réjouis. C'est impossible, Paikou. C'est impossible. Aujourd'hui, je vais parler de ton avocat qui est devenu ministre. Et je vais lui dire, Charles White, aujourd'hui, comment tu vois Charles White qui condamnait les gens, qui dit, voilà, ça c'est mauvais. Et aujourd'hui, il fait partir des ministres qui prennent les gens arbitrairement, les foutre à la maison prison comme Sékou Yaya. Comment tu trouves cela en Guinée? Tu crois à la justice guinéenne? On a toujours un problème à la justice guinéenne. On a toujours un problème. Tu sais, Paikou, tout ce que les gens disent aujourd'hui, nous, on a tout dit. Mais quand c'était nous, les gens disaient que oui, la justice est bonne. Est-ce que tu comprends? Et quand ça tombe sur eux, ils disent que la justice n'est pas bonne. C'est pour te dire, on va toujours avoir un problème à la justice parce que si on n'a pas de transparence dans le pays, si nous sommes dans un pays de règlement de comptes, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes. Pas qu'on a un sérieux problème. On a un sérieux problème en Guinée. Est-ce que tu comprends? Le problème de la Guinée, c'est dans tous les coins. C'est dans tous les coins. L'injustice, c'est dans tous les coins. Avant qu'on se dise au revoir là, votre parti signifie quoi exactement? C'est quoi votre parti? Le nom des partis, en cas si les gens veulent Non, adhérer. parti de l'unité et de vérité. Est-ce que tu comprends? C'est parti de l'unité et de vérité. Est-ce que tu comprends? C'est un parti, c'est pour unir, mais c'est pour dire aussi la vérité. Pas coup, c'est la vérité qui manque la Guinée. C'est la vérité que la Guinée n'accepte pas. Les Kamano qui vont aller aux élections après Pardon? là. C'est toi, Eli Kamano, qui va aller en concurrence des élections. Non, tu sais, les partis politiques, il ne faut pas que je vienne avec l'idée là. Est-ce que tu comprends? Pour moi, d'abord, une idée d'abord de faire une autre façon de faire la politique. Tu sais, justement, c'est ça le problème de la Guinée. Tu vas voir quelqu'un va se battre pour avoir quelque chose ou quelqu'un va se battre pour... Mon frère, pas que tu vois la Guinée là. Toi, étant blogueur aujourd'hui, il y a des choses que tu apportes à la Guinée. Tu es d'accord avec moi? Il y a des choses que tu apportes à la Guinée. Et cette chose-là aussi est importante. Un musicien peut apporter quelque chose à son pays. Un cultivateur peut apporter quelque chose à son pays. Mais Madik, Eli Kamano a détourné 1,2 milliard des orphelins. Et aujourd'hui, quand il devient président, selon moi, il va vendre le pays.
Tu sais, ça c'est des débats, Paikou. Moi, je n'ai pas parlé, je n'ai pas réagi. Est-ce que tu comprends? Je te dis encore, la Guinée, rien ne me surprend. Rien ne m'étonne en Guinée. Est-ce que tu comprends? Seule l'histoire, l'avenir nous dira qui est qui a fait quoi. C'est lui qui a détourné 1 milliard de cents des hommes orphelins qui n'ont rien, qui lui souhaitent devenir président de la République. C'est lui qui a détourné 1 milliard de personnes malades, qui a détourné cela. Est-ce que tu souhaites un jour, lui, il devienne ton président? Déjà, moi-même, je vais être leur président un jour. Est-ce que tu comprends? Donc, déjà, si moi-même, je vais être leur président, mais pas très sérieusement, je vais te dire, très sérieusement, est-ce que tu comprends? On joue au feu, Paikou. Malik te dit ça aujourd'hui encore. On est le 18 aujourd'hui encore. On joue au feu. Si on ne fait pas attention, on va tomber dans le chaos dans ces pays-là. C'est Madi qui te dit. Je sais de quoi je parle. Si on ne fait pas attention, le pire va arriver dans ces pays-là. Enregistre cette petite partie, tu gardes avec toi. Il y a des personnes, Paikoum, il y a des personnes, il y a des personnes, il y a des personnes. J'ai été dépassé. Leur envie de graisser ces pays-là, Mais Madik, leur envie de faire du mal, leur pourquoi envie. Madik, aujourd'hui, moi, je ne te vois pas comme ça. Mais ton frère, tous les pouvoirs en place, il est dedans. Kader Yomba. Pourquoi ça? Si avant, il était avec Alpha Condé, aujourd'hui, avec les CNRD. Demain, même si toi, tu deviens président, tu deviens secrétaire à la présidence, il va venir. Regarde, je vais te. Il faut inviter Kader. Tu lui poses des questions. Écoute-moi, Paikou. Regarde, moi, je suis Malik. Je suis Malik. Je vois que les gens disent qu'aujourd'hui, Madik et Kader ressemblent. J'ai dit impossible. Non, ça c'est leur. Tu vois, Paikou. Ça c'est leur opinion. Paikou. Mal là, ça me fait mal parce que Non, j'ai. mais moi, ça ne me fait pas mal. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, Paikou. Pourquoi je ne réponds pas les gens? Je ne vais pas les répondre. Paikou, regarde, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Tu sais, je sais, j'ai ma page. Si j'ai attaqué Alpha pendant qu'il est au pouvoir, prendre l'avion, venir en Guinée, qui je vais avoir peur de l'attaquer? Il n'y a pas l'homme là. Moi, en Guinée, j'ai fait une vidéo. Seulement, est-ce que d'abord, présentement, j'ai le temps? Non, je n'ai pas le temps pour ça. Ne change pas de fréquence, un jour tu vas l'attaquer. C'est ce que je te dis. Le combat même de la Guinée, ce n'est pas juste Mamadi Doumbouya. Le combat de la Guinée, Paikoum, tu sais, on ne combat pas une personne et on ne fait pas le combat pour quelqu'un. On le fait pour le pays. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends. On ne combat pas quelqu'un, on combat un système. On ne fait pas le combat pour quelqu'un, on fait le combat pour le pays. C'est pour te dire, le combat de la Guinée là-même, c'est la question là que je me pose, quoi. Est-ce que je vais mettre mon énergie dedans? Parce que c'est de l'énergie, c'est triste. Je te donne un exemple. Foniké, aujourd'hui, est en prison. Est-ce que tu comprends? Attends, j'arrive. Avant mon arrivée, je suis allé lui rendre visite. On a échangé. Sa femme a accouché. Il est en prison. Est-ce que tu comprends? Ses enfants, ses deux filles sont là-bas. C'est triste. C'est triste enfermer quelqu'un comme ça en prison. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, est-ce que le temps qu'on va manquer sans être auprès de nos familles, de nos mamans, nos papas, est-ce que j'ai envie de faire ça? C'est ça aussi, au fait. Donc, ambiant, tu veux plus aller en prison pour rien. Non, ce n'est pas la prison. Quand je suis allé à la maison centrale, c'était la quatrième fois d'aller en prison. Ce n'est pas la prison. Il ne faut pas voir juste la prison. Ce qui est autour du combat, est-ce que tu comprends? Tu sais, quand tu es en prison, ta famille partage la prison avec toi. Est-ce que tu comprends? Ta famille est innocente. Si par coup, je ne le souhaite pas, toi, tu te retrouves en prison, ta maman ne dormira pas. Tes soeurs, ton papa. Est-ce que tu comprends? C'est des personnes qui vont être dans le même bateau que toi, qui vont vivre la même chose que toi. Et la Guinée, c'est un pays même où on va menacer aussi ta famille. On va inclure ta famille dedans.
C'est des possibilités en Guinée. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas la peur. Le combat de la Guinée, jusqu'à présent, je me pose des questions. C'est du temps, c'est de l'énergie. Est-ce que Madik a de l'énergie là encore? Est-ce que Madik a le temps là encore? C'est ça la bonne question, Paco. Monsieur Madik, merci beaucoup d'accepter l'invitation. Franchement, on a fait une heure de temps, 30 minutes ici. J'ai beaucoup pris, bien entendu, le temps de notre président Madik Sans Frontières. Et aujourd'hui, comment tu vois président Selou Dalé? Qu'est-ce que tu lui souhaites à travers le temps? Je salue d'abord le président Elhadji Selou Dalé Diallo. Très sincèrement, je lui souhaite du bonheur, du paix et son retour en Guinée-Conakry chez lui. Est-ce que tu comprends? Le moment qu'il vit aujourd'hui, moi, ça me touche personnellement. Selou Dalé dit qu'il n'est pas exilé. Hein. Il est en tournée. Oui. Moi, ses propos, je lui crois. Quand il me parle, je lui crois. Et j'aime lui poser des questions et il me répond très sincèrement. Il m'a toujours donné cette chance. Je lui souhaite le bonheur. Je lui souhaite longue vie. Je lui souhaite santé. Et pas que je vais encore être très clair. Monsieur Dalé, que ce soit lui ou qui que ce soit, jamais je vais souhaiter du malheur pour cet homme-là ou un membre de sa famille. Que le bon Dieu m'en garde et qu'il ne me donne même pas la force de le faire ou de le penser. Est-ce que tu comprends? J'ai de l'estime pour lui. Moi, il m'a aimé inconditionnellement et c'est l'amour-là qui est resté entre nous. Et je lui souhaite vraiment santé, longévité et un bon retour en Guinée dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, M Sans Frontières. Merci beaucoup aussi pour la considération et merci beaucoup aussi d'accepter l'invitation. Je sais qu'après cette vidéo, beaucoup de personnes vont faire des réactions. Et au fil de la mesure aussi, tu seras invité pour nous donner beaucoup de nouvelles. Et je sais qu'il y aura un nouvel combat aussi qui va commencer. Bon. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je salue Madame Condé. Je n'y manquerai pas. Moi aussi, je te remercie. Merci. Comme je t'ai dit, hein, tu es l'une des personnes qui peut me déranger, dire que bien. Donc, hein? S'ils arrivent de t'invexer sans se rendre compte. Non. Pas écou. Tu restes un frère. Merci. Tu demeures un frère. On n'a pas besoin de dire ça sur la toile. Est-ce que tu comprends? Tu connais Madik. C'est pour te dire, tu es parmi les personnes qui peuvent m'appeler, me déranger, dire que viens, on a des questions à te répondre. Merci. Et c'est pour te dire, je ne réponds jamais les gens parce que j'ai confiance en moi, je crois à mon parcours et personne ne va me pousser de monétiser sa page pour lui. Non, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Je ne vais jamais répondre. Ça, c'est un de deux. Personne ne peut m'opposer à Selou Dalé Diallo. Est-ce que tu comprends? Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va aller ensemble encore lui rendre visite. Est-ce que tu comprends? Donc, je lui souhaite du bonheur, santé et longévité, et lui et sa femme, Hadji Ali Matou. Donc, que je salue de passage aussi. On est en bonne relation. Est-ce que tu comprends? Maintenant, les petites personnes, ils peuvent dire tout. Je vais dire un dernier message, Paikou. Il n'y a pas de problème. Mon dernier message, il faut dire à la communauté Peul que de rester tranquille. Madik. Oui. Un homme de vérité. Est-ce que tu comprends? Oui. Jamais, moi, je vais insulter la communauté Peul. Merci. Jamais, moi, je vais diffamer la communauté Peul. Et il faut dire aux mêmes communautés Peul, le même Madik de 2017, 2018, 2019, 2020, qui a dit la vérité de la communauté Peul, pendant qu'aucun malinqué n'ose parler, aucun jeune malinqué n'ose s'afficher, aucun jeune malinqué n'ose prendre l'avion venir en Guinée, c'est Madik qui l'a fait. Je me maintiens sur ce câble-là. Je suis responsable de mes actes et de mes paroles. Est-ce que tu comprends? Merci. Et si j'avais fait tout ça pour une cause et conditionné
peut-être, monsieur le président Selou n'allait pas toujours me garder auprès de lui. Baïkou, est-ce que tu comprends? Et il m'a dit un mot dernièrement, ça m'a touché encore. Ça m'a touché, ça m'a touché. Je lui remercie infiniment de m'avoir donné la chance d'être proche de lui, de me prendre comme son enfant. Et tu ne me verras jamais dire un mot qui n'est pas digne à l'égard de M. Dalin, parce que c'est le souhait de certaines personnes. C'est le Merci. souhait de certaines personnes. Tu ne me verras jamais indexer M. Dalin de mauvaise foi, parce qu'il ne m'a rien fait du mal. C'était M. ça. Dalin ne m'a rien fait du mal, il m'a aimé. Toi-même, tu m'as dit ça. La première fois qu'on s'est vu, la façon dont il m'a salué, il m'a serré dans ses mains, tu dis, m'a dit, ah, le président t'aime. Toi, tu m'as dit ça. Et ça, là, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il reste un père. Et cette communauté qui est la communauté Peul, aujourd'hui, où j'ai aussi marié une femme Peul, je suis très fier. Si les mauvaises personnes disent que j'aime pas les Peuls, il faut leur dire, Inch'Allah, bientôt il va avoir un bébé Peul dans ma famille. Inch'Allah. C'est que c'est pour te dire, Païkou, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Malik est né avec les Peuls, grandit avec les Peuls. Malik vient de Dengraï. Va voir. De mon arrière-grand-père, arrière-grand-père, des grands-pères, mon père. On est né, grandi avec les Peuls. Et cette ethnie-là, je les considère comme moi. Je m'entends juste pas avec des mauvaises personnes, avec des personnes corrompues. C'est eux qui disent, telle personne a attaqué les Peuls, telle personne a dit ça, parce qu'ils sont faibles. Ils ne peuvent pas se défendre toutes seules. Il faut qu'ils mélangent toutes les Peuls dans leurs mauvais trucs. Donc, c'est ce que les Peuls doivent comprendre. Et la vidéo que je fais là, ce n'était même pas un problème de Peul. Ça, ce n'était même pas un problème de Peul. Je n'ai même pas pensé ce jour-là, et là, Diallo va réécouter la vidéo. Mais il y a toujours des mauvaises personnes. Comment est-ce que moi, je peux souhaiter le malheur à M. Ela Guisseul-Liden Diallo jusqu'à ce qu'il lui souhaite la prison? Eh, pas écoute. Tu vois l'être humain? Voilà. C'est pour Donc, cela ça, c'est Madik. C'est de vous dire. de t'inviter pour que tu vas éclairer cela, pour que les Guinéens savent ce que les gens disent de toi, tu ne l'as pas dit. En Donc. bon poulard, Fop Kofenade. Akoundéala, Fop Kofenade. C'est des ratés qui. Je ne sais même pas la personne qui a dit ça. Fop Kofenade. Est-ce que tu comprends? Ils ne savent pas comment. J'ai le droit de ne pas faire de combat comme j'ai le droit de faire le combat. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, si j'ai l'argent de quelqu'un, ça va sortir sur les réseaux sociaux, pas écoute. Est-ce que tu comprends? Mais Madik est Madik, il reste Madik. Je suis Madik, je reste Madik. Serai une pauvre personne, mais qui doit rien à qui que ce soit et j'attends rien de qui que ce soit. Tout ce que je fais avec sincérité. T'as jamais proposé de l'argent? Qui? Doumbouya t'as jamais donné de l'argent? Doumbouya m'a jamais proposé. Tu sais, moi, le débat de moi et Doumbouya, le débat de moi et Doumbouya, c'est même pas l'argent. Est-ce que tu comprends? Eh, pas écoute. Quand je te dis Doumbouya m'a déçu, tu peux pas le croire. Non, Je l'ai même. écoute-moi. Attends. Écoute-moi, pas écoute. Toi et moi, on est partis voir Selou. Et est-ce que j'ai parlé de l'argent? Quand je viens à Dakar, je donne l'argent à qui pour acheter mon billet d'avion? Moi? C'est pas toi. Ah, pas écoute. Ça, c'est le plus cher. Quand je viens, je fais mes réservations. Tu es là-bas. C'est toi, je donne l'argent, pas écoute. Il faut acheter mes billets. Quand je change de voyage, je te donne l'argent, tu changes, pas écoute. Ah, pas écoute. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas riche, mais j'ai toujours travaillé fort pour vivre dignement. On ne peut pas m'acheter, quoi. Moi, M. Doumbouya, on ne parle même pas de l'argent, quoi. Est-ce qu'actuellement vous êtes en contact? Cet homme m'a donné l'honneur. À chaque fois que je veux lui rencontrer, je peux lui rencontrer. Est-ce que tu comprends? Et cette rencontre-là, je prie le bon Dieu qu'il me donne la force, les capacités pour que ces deux personnes-là se comprennent pas.
Bah écoute, si les deux personnes là se comprennent, je pense que la Guinée va gagner. La Mais Guinée va gagner. Qui ne veut pas comprendre l'autre? Aujourd'hui, on a perdu. Leur... Non, écoute-moi, c'est leur entourage. C'est l'entourage des deux personnes. C'est l'entourage des deux personnes. C'est Madi qui te dit aujourd'hui encore. Après un an encore, tu vas me donner raison. Ah ouais. Mais si aujourd'hui, moi, j'ai la capacité, Dieu me donne la capacité, c'est ce que je veux. Je pense que c'est possible. Donc, Paikoun, c'est pour finir. Misalmini ma foule Benjamin. Le mensonge que les gens ont dit, il faut leur dire que je m'en excuse, je n'étais même pas au courant des polémiques. Sinon, j'allais sortir sur ma page, pas me justifier. C'est quand tu m'as dit ça, je suis allé voir la vidéo. Ça n'a rien à voir avec la communauté Peul. M'a dit que quand il veut dire quelque chose sur quelqu'un, je dis son nom. Les vidéos là, j'ai parlé des personnes concernées du 28 septembre. Et c'est même pas autre chose. C'est de dire d'attendre jusqu'à ce qu'on va jusqu'à la fin des procès, savoir qui est qui a fait quoi. Après, les gens vont parler. Et mais si dès le début, les gens commencent à parler, comment on va bien assister les procès? Comment on va comprendre les vérités? Il faut qu'on arrête de défendre nos personnes. On attend. Si la justice dit que tel est coupable, tu sais, la justice, ça se fait devant tout le monde. On sait ceux qui disent la vérité, ceux qui ne disent pas la vérité. Il faut que les gens arrêtent de communautariser toutes. Madik a insulté toute la communauté Peul. Mon frère, même si on te donne whisky, tu sais, whisky, c'est quoi? Whisky, c'est de l'alcool fort, avec plus drogue, plus hakopute. Tu manges tout ça, tu ne peux pas insulter toute une communauté. C'est impossible, pas écoute. Toi-même, tu sais. Tu sais. Ouais. Donc, c'est ça, Paikou. Je n'ai pas le temps. Tu vois, je ne suis pas souvent sur les réseaux sociaux. Ouais. Je ne sais même pas ce que les gens disent. Donc, c'est pour te dire, j'ai d'autres choses à faire. Je suis en train de monter mes projets. J'ai toujours été comme ça et je continue sur ce chemin. Et ce qui concerne le combat de la Guinée, Paikou, c'est que je suis fatigué de faire la même chose. De dire la même chose et qu'il n'y a pas de résultat. Est-ce que tu comprends? Donc, merci beaucoup, jeune frère. Madik est clair comme l'eau, et libre comme le poisson dans l'eau. Est-ce que tu comprends? Je souhaite le bonheur pour ce pays-là. Je souhaite le bonheur. Et encore, je remercie le père Elagi Seldou et sa femme Adja Alimatou. Le bonheur, santé et longévité. Et le mot là, ils vont me traiter de tous les noms. C'est les faibles. C'est les faibles. Et ces faibles là, ils vont rester petits dans leur tête, ils vont rester petits dans leur vie. Dieu a toujours créé les faibles. Quand tu sais la malédiction, les maudits, quand tu es maudit, tu ne peux pas combattre quelqu'un qui est béni. Tu ne peux pas. Tu vas essayer, mais tu ne peux pas. Est-ce que tu comprends? Donc, ouais. Merci mon frère, je te laisse. Je suis là. Tu peux me déranger quand tu veux. Et s'il y a quoi que ce soit, tu le sais, je suis là. À bientôt même, Inch'Allah. C'est Madik. C'est la voix de Madik Paikoun. Et la même personne. Et si à chaque fois mes propos, certains ont été vexés, je leur demande pardon. Si certains peuls ont appris les mauvaises nouvelles, c'est Madik qui parle en direct. Je peux pas insulter la communauté peul. Quoi qu'il en soit, c'est les petits bandits, les petits Hurado, les petits Nyatahuta, les petits Sokoboni qui sont autour, qui se déguisent dans les trucs peuls, qui farinent les peuls dans les problèmes, dire que ah, il a insulté, c'est eux. C'est eux des mauvaises personnes. C'est eux qui induisent les restes des bonnes personnes, des bonnes peules dans l'erreur. Sinon, Madik est vivant. Si je veux parler le nom de quelqu'un, je vais dire. J'ai toujours été comme ça. Merci. Donc, c'était rassuré, Paikoun. Ce qu'ils ont dit, c'est faux et archi faux. La vidéo était destinée aux personnes
qui sont concernés sur le massacre du 28 septembre. Ça, c'est la voix de Madik Sans Frontières. Responsable de ses actes et de ses paroles. La prochaine fois, je vais être en béret et puis mes habits militaires. Inchallah. Pour rafraîchir les mémoires, pas écoute. Donc, ceux qui sont en peine d'amour, ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Mais, ce que Dieu sait de l'homme, c'est ça le plus important. Que Dieu te bénisse, Paiko, qu'il te protège. Et sans oublier de te rappeler les concerts de mon artiste Siphon Boy le 19 novembre au stade de Nungo. Je demande à tous les compatriotes de répondre à mon artiste. Donc, c'est un homme qui fait la fierté de la Guinée aujourd'hui, qui a bâti record aujourd'hui, qui a des records de Sidiki Diabaté, en même temps des records, je dis, des records et des records. Oui, il mérite ça, Paikoun. Il a une équipe extraordinaire, Paikoun. Wallahi, tu le sais. Donc, je suis de bon cœur avec vous, de cœur. Et crois-moi, il va aller plus loin que ça, malgré les obstacles. Il a nos soutiens et on va le soutenir chaque fois, Inch'Allah. Que Dieu bénisse, que Dieu amène la paix dans ce pays-là. Que Dieu donne la foi à toutes ces personnes. Que Dieu facilite aussi le retour du président Sylvie Dalin en Guinée. Que Dieu fasse aujourd'hui que tout ce qu'on vit aujourd'hui comme moment difficile, que ça s'arrête. Ça Amen. S'arrête. Donc, merci Paikou. On est ensemble, mon frère. Donc, je vais t'inviter à bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Ara e musibe ko bawto ko nan don piji buyi si Allah jabi kadi no gasa e wawa e vutugol se ku konduno o yewta e balde araade den do no gasa jango a faddi jango mi dara no humpitoramo fi o wona ngen fi di manifestation de stratégique gi wondi di wadde ka der leydi meden mi invite mo do kanko Madik Sans Frontières fi on hedo hito makko ngon andon proposition di makko din e golle makko ko fala ko wadugol e ko hondum o wi e ko hondu woni o wi ya la ngandi do buyi fami opinion mon ko no woni der tom ko no woni ri do andi jama awa wata wi gol fo fotay ka fala do ko no ande mi yewta yondo hande e der blogueur be laji de ben fop ko min tu wata noddutu gol wondo ko opposition wondo ka parti mouvance wondo e kala ka woni ri parce que be wi si dengal to wi hakil soray e pidi din do ko reference ko do wadi si noddu dem mo landi ti dem mo kon ko nanu den wo lama donc Allah wadi en nani ko yewta kon do fa wonno be do ben fi nanu gol fama anda kon wonno der ton ben do ngandi be andano ben kadi humpitike donc pidi din ko no wata yaru gol si goddo yewta ma hunde ta ardu money accu ha nana wada wala fama ko lutto tanon baoton on wawata andugo parce que be kala konko suudi wawata andade be moddi din ko suudi ke kala e babbe goddo sorto itandi ton warandi kono nyande kala ndi yalti ka hore lawol andandi do joni en andi kon woni derto en andi kadi position meden non donc enen ko wolden do ko kala ardo wi yawi ke sellu dare asimi ide wa yaltu gol kontron tigi wawla namoko woni kon kono be wi min nani e min nanan e on tigi wawli asiman donc mi sikki do e Madik Sans Frontières fous ala ko woli do ko mari probleme donc mi torto jamao ko wonu gol dans les semaines en ko no interessé en da panta goto gagno ko kala ardo windi tani hore mu gagno kon don ko mbatete ay Madik Sans Frontières wi on o monana ki sellu dalen o pirata sellu dalen wala o pira na goddo contre sellu dalen donc din pidi don kadi ko opinion di tawaydi no droit notede droit don hedi tagol parce que ari be ben wo li pidi buy on ala wadi kanko ari o wiye o wana contre sellu dalen o wana ta contre sellu dalen si tawi kadi ko wowli kon metti goddo andintini on wana contre meden enen fulbe ben go wori ko kanko e fodi ben ton marduno yewtere e groupe donc
no one you want to win it. And then going and Andy or not control the Ludele. Yes, so say that you take Kumpa. I come to a jama on Tamona no more bonamo. In the Benko, you are being a kid. Can you make them go? Comama di Dumbuya SNRD. Kala no mommy. When you will do the war, Ekunapu do the war. So we a collaborate a mama di Dumbuya and Milan Chaifima. Who's the proper? On Alika di Lande de Milan di Mode. Donc, mama di Dumbuya and Nunderga. The gentil of you on what is in Milandi. No, Kadi, la bani and the Kalamoy, the real on the suitor is a nerdy. Asimidundo, Madi did on a wataja budi. Don't Kalawadi or we or suitor as a nerdy. Not the 1 year de non. Ka, not the 1 year de non or suitor. Don't no Kadi, and Vami, picking in no arde so yes, commit a jamao, hand the wire de nomi wall and a macoella tama, on Stina Gongaka, Harai Mokya. Donc, Pidji Bouye Nani, Pidji Bouskadi en Nanae. Avami, Pidji Bouye Nani, Pidji Bouye Nanae. Ande yido fulbe. Wana be Ousmane Gawal. Fala be defandu gol Ousmane Gawal. Konoka be un piti si de nati edu metaja y destikil jema pede. Betali du marsata. Wandi mimi dodo. Mi wona ido kadi. E mi wona ido fituzu. Kala sikudu. Rewaika ala halimu. Hein? One and us and the no pull the foot of water defended Kulusmani Gawal. Impossible. And the Madik Samburantari, we on Kulus Milan Dimogoy. Vimo. Sitauno ko kanko woni plus Ousmane Gawal. So wawa in what go Kulusmani Gawal wata kondo. Oh, you wawata. Eh? No, what you know, full be one and the Ousmane Gawal won't go what they do. Full be. It's impossible. If okay, and then. Gano mawa si mobati mako ya combat mo bewi gano wotin take gano wotin take banne take donc enen antanke no wodi jea do nokugo wi do no yidi selu dele no wonani mo e yaru ka gido ame nyande kala wotiti da me olete kadi a wotiti ke ko do woni der ton ko do wadi similandi timo holli kadi kanko e kadi yomba na be system goto ko dun jaman do a famu gol ko fewndi kon en wawata yarde non min ko mi andi kala yido no yidi presidential ludaling ayna bundo ara ila yidi on tigi donc do woni der ton e pidji di fop yo ande donc min ko mi wiata jamaa monofala wiay ko ni jawri wala ko ni tipori min mi wona contre personne mi wona taka di contre goddo kullingi non ko kulli wonata babba banka di ko babba wonata ko no wawa tayaru de ala musidda jawndi landaru de sak 20 si Allah landu jabi en adda pidji woni fekkude der lagine ka presidence ka sera e kala ka woni ko fewndi ko lagine kala regime ardo tawi ko contre fulbe futa be gontigi woni hay si tawi ko jaman e kanye o wadi en gonanta wontigi kala kadi yawdo jokkibe en gonanta enen en anda ko suudi ko landi on ko min nata jamao ai to ala wadi o wi na enengo wi yoke ngajume yande kala wadi o wi ko enengo wi ai de mari hundu koji de wawi japagol de nyande kadi yaltai donc ara jama ko e wonu sempre wona mobiliser e ko dun wadata pidji din sans akaledi mede donc jama on fo no weltana partage bebe famu be yewtere ben e mo kala hande bido ko na termido buino wada do tet mor la madiku monani donc mi ngare ay min ko mi wawi siminani problem ko mi aru mi holla on tigi a minani ri ni eni eni lando de non tigi ko wadi ko tigi jabo en donc mi ko mi fami do ko c'est bon quoi yeah fami be ben fami be famali ben famali la ngandi non do kadi buyi mi okki on kadi ko wawlo wo ko ngata wuta ki kala jo udado Adama, si Dauda, Dauda, l'on pagaya l'anderton. Nous, on éclaire les choses propres. Donc, que Dieu vous bénisse. Kala partage de vidéo de Jarama. Kala kadindaro yo partage, on te ginjarama. Mokala wadaiko, mokala hetaiko wadiko. Donc, moi, mes pas sont bien et ça reste bien. Personne ne peut faire rien de mal. Koya arusun jitoda, haronka tertoda. Parce que ata paikuzare, reste toujours denimer. Et sa façon. L'honnêteté ne change jamais. Donc c'est ça. Tol, c'est pas tol. Ha, minani emi wanagotu. Harai kodu woni derton.
on fala no winda e kala ko fala inde ande bay kun sare wa ay no wayno are ko dum mi fal no yow tugol je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain soir aussi à partir de 20h si tout va bien. Je vous embrasse. Bye bye.